Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Coach Yossif répond à vos questions. Bonjour Yossif. Bonjour à tout le monde, bonjour Merci Laurent. à. J'espère que tout marche bien. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat si tout va bien. Alors évidemment, on a eu le grand projet aujourd'hui qui est sorti. Voilà, on aura un super tournoi en ligne à partir du 18 avril avec 8 des meilleurs joueurs du monde, dont le champion du monde Magnus Carlsen, très certainement aussi un Français. Alors ça sera ni Yossif ni moi, mais ça sera quelqu'un qui a plus le sens du jeu pratique. Voilà, on donne pas trop d'infos, mais quelqu'un de très fort. Voilà, le plus fort, le meilleur d'entre nous. Voilà, je pense que vous avez deviné. Donc merci Yossif d'accepter de ce petit jeu. Donc on va déjà, moi j'ai plusieurs questions à te poser. Donc t'as commencé quand exactement à donner des cours? Je crois que c'est au début des années 90. Non, bon, je me souviens très bien. J'ai mal joué le championnat du RSS et c'était la naissance de ma fille. Et je suis rentré à la maison et j'ai décidé de jouer un tournoi fermé avec plusieurs maîtres internationaux pour vérifier qu'est-ce qui se passe avec moi. Et là, j'ai gagné avec plus 11. Et pendant le tournoi, c'est Bélarz qui est venu de me voir et il m'a proposé de travailler ensemble. Et donc, je l'ai accompagné au championnat du RSS où il a gagné le titre et le tournoi interzonal où il se qualifiait pour les candidats derrière Kasparov. C'était mon début, j'avais 28 ans. Ça fait 40 ans déjà. D'accord, ok. Presque. Bah, impressionnant. Et donc peut-être aussi, on a eu reçu plein de questions, donc on les prendra dans l'ordre, évidemment. Mais peut-être, est-ce que tu peux orienter les joueurs sur quel genre de questions c'est le plus utile pour eux? Vous savez, moi j'ai bien apprécié les questions parce que il y a les questions générales à propos du développement du jeu d'échecs, qu'est-ce qui se passe avec la théorie, avec Leyla, AlphaZero. Après, pourquoi les joueurs ne sont pas aussi créatifs, qu'ils jouent les mêmes positions, etc. Donc ça c'est facile à répondre, mais c'est peut-être intéressant pour tout le monde. Et il y a les questions purement techniques qui concernent les ouvertures, quel chemin il faut prendre, pourquoi telle ou telle variante on n'y joue plus, etc. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai décidé? Je vais répondre évidemment à toutes les questions dans l'ordre que j'ai reçu. Et encore, je vais essayer de faire le travail que les ordinateurs, heureusement, ne peuvent pas faire encore aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi chaque ouverture était conçue. Parce qu'on n'a pas plusieurs idées dans les ouvertures. Donc il faut toujours chercher une idée. C'est soit une structure du pion, un des avantages. Par exemple, gambit du roi ou gambit de dame acceptée. On va peut-être commencer C'est. par montrer. On va montrer alors. Ouais. Gambit du Donc. roi ou que t'expliques. Oui, Alors. juste quelques. Ouais. F4, EF. Et maintenant, si le blanc récupère ce pion, imaginons après cavalier F3, D4, ils vont obtenir un extra pion central avec le centre mobile et l'avant-poste F5. Et de l'autre côté, gambit dame accepté, c'est absolument pareil. Tu peux le faire D4, D5, C4, DC. Si on joue par exemple ici E4 et les noirs jouent lente comme E6, une faute évidente, je récupère le pion et il y a la majorité au centre et l'avant-poste c'est 5. Donc c'est ça l'idée de cette ouverture. Il y a les autres, dans la même ouverture, si on ne joue pas E4 mais on joue E3 à la place de E4 ici, les blancs récupèrent le pion, mais la différence qu'après E6, il faut prendre C4, cavalier F6, cavalier F3 et C5. Et C5. Les blancs doivent prendre une décision importante. Soit on joue une structure absolument symétrique, soit c'est prise en C5, soit après prise en D4, on va reprendre d'une pièce, et c'est normalement une égalité presque totale. Voilà, soit on joue, là c'est un petit peu banal que je montre, on peut retarder la prise, mais si les blancs reprennent du pion E, donc la position est complètement déséquilibrée. Donc c'est le but des noirs dans cette ouverture, de créer un pion isolé, la case faible des 5 et 3 élos chez les blancs contre 12 élos chez les noirs. À partir de là, tout est clair.
L'automne joue contre les blancs et il faut aller vite. Donc il ne faut pas laisser sortir confortablement les noirs. Il faut absolument modifier la situation. Soit percer D5, soit attaquer le roi, soit quelque part, dès qu'il va jouer fou D7, fou C6, prendre le fou et obligé de jouer BC et créer aussi trois élots, deux fous et cavaliers contre fou et deux cavaliers, etc. Donc c'est ici. Il y a les autres ouvertures. Et parallèlement, je vais déjà répondre à une question où il n'y a pas de position à montrer. La française. On m'a posé la question de comment jouer la française aujourd'hui. Alors, on va. Ouais, d'accord, ok. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre. Alors, un peu de. Je vais faire un peu la police dans le chat. Mais alors, beaucoup de questions pour Yossif. Mais alors, s'il vous plaît, envoyez-les-moi à l'avance sur mon compte Zlatan56. Comme ça, je peux les soumettre à Yossif. Parce que sinon, on va pas s'en Non, sortir. Et on a. aujourd'hui déjà, il y a énormément de questions, de Énormément. On réponses. n'aura pas le temps de tout On faire. est chargé. Non, je vais essayer, mais c'est pas si clair. Et donc, par exemple, si vous regardez le tournoi du candidat, on a fait ici ensemble les commentaires, ils ont joué et Alexienko contre Nepomniachtchi, et Maxime Vachier-Lagrave contre Nepomniachtchi. Ils ont joué évidemment la variante avec cavalier C3, avec cavalier C3 qui, à mon avis, il y a le Alors attends, meilleur. je change quelque chose parce qu'il y a un léger souci sur. Dû à l'afflux de personnes, je vais t'expliquer Yossif tout de suite. Dû à l'afflux de personnes sur Chess24, dû à notre annonce, il y a le site qui est un peu. Qui marche pas très bien, donc il faut que je change pour le mettre sur Twitch. Alors attends, je vais le faire ça Vas-y. en direct. Je sais le faire, Techfraise est là. Ça arrive, c'est les aléas du direct. On n'est pas habitué avec tu sais, cette histoire de confinement. En fait, il y a un trafic sur le site qui est pas du tout habituel. Et en fait, qui fait que pour tous les sites, parfois, ça devient compliqué. Il y a combien du monde à peu près maintenant Je sais ici pas. qui nous regarde? Trop, trop. Je sais pas. Quel ordre? On ne peut pas savoir, non? Franchement, j'en ai aucune idée là. C'est pas Oui, dans peut-être mes. beaucoup plus que d'habitude, parce que c'est Non, ok. autre chose Houston, we have a problème, donc on peut pas changer ça. D'accord. Mais allez sur Twitch. N'hésitez pas, ceux qui sont pas sur Twitch. Twitch et Facebook, apparemment, ça marche. Donc, Donc, ça va. okay. Donc, vas-y. Alors, la française. Bref, le résumé. Oui, E4. Non, c'est pas ça. Oui, E4, E6, D4, D5. Cavalier C3. Fou B4, bien sûr il y a cavalier F6, mais fou B4, E5, C5, A3, et prise, prise. Et cavalier E7, et H4. Regardez le coup H4, c'est très intéressant. Comment les Blancs développent la théorie aujourd'hui? Évidemment, c'est Léa qui a analysé dans les détails cette ouverture. J'ai fait ce travail récemment avec un de mes élèves, mais comment choisir la ligne où il faut chercher. Et donc, ici, vous avez tous les atouts imaginables du côté noir. Donc, il y a fou et deux cavaliers contre deux fous et cavaliers. Et évidemment, que le jeu sur les cases blanches, elle est déjà visible. Il y a les faiblesses C4 à A4. Et il y a, dans les perspectives, l'échange du fou de case blanche en A6. Donc, ce sera dame et cavalier contre dame fou. Et je parle encore de la structure du pion. Déjà, j'ai montré qu'il y a 12 îlots contre un seul. Il y a quelques cases faibles et pions doublés. Mais il y a le premier facteur, la position du roi. Et quand nous commençons à réfléchir, où le roi noir peut être mis en sécurité? C'est pas si simple, parce qu'après petit roque H5, on va toujours souffrir à cause de la menace H6. Etc. Ou d'abord dame G4, fou D3, comme on fait d'habitude, dame G4 qui menace après H5, fou H6, etc. Donc c'est très très chaud pour les noirs. Et donc ici, ouais, ici on joue sur H4, H5, là ça va pas du tout parce que on donne la case G5 et après il faudra jouer peut-être G6 et laisser les blancs attaquer impunément les cases noires. Là, l'ordinateur donne presque en ligne déjà. J'ai regardé un petit peu H4, H5. Ce n'est pas du tout jouable pour les noirs. Je ne dis pas que fou G5 c'est le meilleur coup, mais j'ai dit en principe plus tard. Parce qu'il y a les coups comme le coup du cavalier maintenant, tout simplement, le cavalier G1, et c'est avantage partout. Et donc, si les noirs jouent grand roque, il faut d'abord peut-être prévoir la fermeture du centre par C5, C4. Parce que sinon, les blancs ouvrent facilement la position avec D prend C5 et peut-être il écrase les noirs sur les cases noires. Mais après C5, C4,
on est privé déjà d'une autre contre-jeu sur les cases blanches. Et après, A4, le fou C1 apparaîtra en A3 et qui va faire les dégâts énormes à la position. Donc, en gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que H4, finalement, c'est dirigé simplement contre la position du roi, donc le premier Exactement. facteur. Oui. C'est-à-dire que le roi, maintenant, il peut ni aller à l'aile roi, ni aller à l'aile dame, c'est compliqué aussi. Oui, c'est exactement ce qu'on a parlé avec toi sur les vidéos, qu'il y a cette hiérarchie des éléments. Et dans cette échelle dégressive, l'élément le plus important, c'est évidemment la sécurité du roi. Et là, si le blanc ne joue pas contre le roi noir, le reste est perdu d'avance. Oui. Le matériel n'est pas bon, malgré deux fous et cavaliers, parce que je répète, ça dépend qui joue plus facilement sur les cases du sac color. Et les noirs doivent jouer sur les cases blanches. Et là, c'est déjà prêt. Avec les cases C4, A4, vous voyez, B6 fois A6. Et donc, on joue H4 pour faire H5. Et là, j'ai bossé, j'ai fait ici plusieurs analyses avec Dama 5, par exemple. Oui, j'ai fait Dama 5, je fais cavalier B6, et je fais. Oui, il y a ça, il y a Dama 4, etc. Et l'ordinateur donne partout un net avantage. Et donc, finalement, cette dame C7, mais malheureusement pour les noirs, c'est pas facile. Comme Maxime avait joué contre Nipomniachtchi, j'ai déjà travaillé quelques heures cette position avec un ordinateur hyper puissant, et là, on ne rigole pas. C'est très, très dur pour les noirs, et c'est logique, vous voyez, dès qu'on explique l'idée stratégique de cette ouverture, on comprend que ça ne sera pas facile pour les noirs. Et finalement, Nipomniachtchi, il était obligé de jouer dans un moment donné C5, C4, et il a tué Exact, on s'en rappelle. son propre jeu. Vous vous souvenez? Et Maxime a fait une partie magnifique, il l'a punie Magnifique, après magnifiquement. tour B4, ouais. Donc là, tu étais en train de poser, de répondre à la question de Vincent Brasseur. Donc merci Vincent pour cette question, c'est pas la première, mais c'est pas grave. Donc bonjour Youssif, j'ai énormément de mal à jouer contre la défense française. Je privilégie cette ligne de vente d'avance. Alors on va montrer ce qu'il joue d'habitude, Vincent. Il joue comme ça. Alors il joue cette variante qui était plutôt une variante de blitz, hein, d'après moi. Dame B6, voilà, où on sacrifie le pion. Mais en fait, ça marche pas très bien. Et en fait, il cherchait un conseil. Voilà, c'est vrai que les noirs, normalement, ont pas de problème hein, dans cette variante, c'est ça. Je crois qu'il a donné la bonne ligne, hein, d'ailleurs, pour les noirs. Fou D6, et il n'y a pas assez de compensation, en général, pour les blancs. Ou juste assez, mais pas plus. Oui. Youssif, oui? Oui, cette ligne, elle n'existe plus pratiquement à haut niveau. Bien sûr, la variante est très compliquée. Shirov avait joué, mais il y a déjà les recettes assez claires. D'accord. Nakamura, elle a joué quelques fois les très belles parties. Mais si vous regardez au-delà de 2007, cette variante a disparu de la pratique. Même Grischuk, je ne sais pas, est-ce qu'elle joue encore? Parce que c'est lui qui était La un vente peu. d'avance, hein. Oui, c'était lui. Moi, je me Oui, rappelle que je jouais il a contre lui. développé énormément cette variante. Il jouait avec Fe2 ici, qui était pour voilà sur cavalier Oui, E7. j'ai On perdu fait contre toujours cavalier toi, c'est A3. justement ça, Laurent, oui, au national. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai Ah oui, perdu, c'est vrai. j'ai Ouais. oublié, à Belfort, ou Besançon, j'ai oublié, où. Belfort, je crois. Tu te souviens qu'est-ce que c'est passé? C'était en alerte pendant la ronde. Ouais, une alerte, ouais. L'incendie, on a Et t'avais été. joué ça, je crois. Tu m'avais. Et j'avais joué ça. Je sais pas Oui, pourquoi. c'était C3 et Je j'étais ici. sais pas comment on était arrivé à ce Ah raisonnement oui, tous j'ai les fait des deux, mais 5, justement, voilà, c'était c'était ça. étrange. Quelque chose que je jouais dans ma jeunesse. J'avais été inspiré par Éric Priet à l'époque. Oui. Bon, c'était il y a 30 ans. Tu as joué avec Donc. Cavalier A3. Aujourd'hui, on considère cette variante comme égale, mais il faut se voir, évidemment. Ouais, Moi, je ne c'était suis pas pas un joueur de de la française, française. normalement. Ok. Donc, Est-ce que ça, tu as un c'est. conseil à lui donner sur la française? Qu'est-ce qu'il pourrait jouer contre la Je l'ai française? donné déjà, Cavalier Ah C3. d'accord, KC3. Donc Cavalier KC3, C3. Le tu reste, considères. Cavalier D2, je pense que C5 égalé sur Cavalier D2. Des 2, C5, et oui, c'est la ligne Je principale, pense que donc là, on après fait comme dame prend ça. D5, ouais, on a tout essayé ici, DC et cavalier F3 à la place, mais je ne vois pas l'avantage. D'accord, donc Maxime, KC3. regardez Maxime, il a joué cavalier D2, il a joué cette variante. Il a très bien joué d'ailleurs, mais il a arrêté. Finalement, il a fait un gros travail pour les candidats et je pense dans le bon sens. D'accord, ouais, il a arrêté. C'est vrai qu'il c'était un grand, c'est un expert de KD2 avec Michael Adams. Hein. C'était les deux à jouer Bien KD2, sûr, mais il n'y a pas bien sûr. grand-chose. Et Michael, il cherche pas à avoir un avantage dans l'ouverture. Il cherche plus à avoir quelque chose qui convient à son style très tranquille et sa technique Ouais, un incroyable. petit peu, mieux pour lui, c'est déjà très très bien. Ouais. Avec sa technique, il est final, donc il aime bien en léger avantage.
Ça, c'est vrai. OK, donc on va commencer maintenant par cette anglaise qui t'a chargée au départ. Alors, l'anglaise, donc c'est une question d'époque qui nous demande ça. Donc, évidemment, les questions dans le chat, c'est acceptable si ça a quelque chose à voir avec l'ouverture dont on parle. Parce que sinon, on s'en sort pas, on va être partout. Donc, envoyez-moi Zlatan56 pour la prochaine fois si votre question n'a Non, pas c'est pour, été, si on n'a oui, pas pour le répondu. dimanche, pour le Parce qu'on a dimanche. dimanche. Alors, oui, j'ai oublié de donner rendez-vous, tu as tout à fait raison, Youssif. Donc on a dimanche prochain et ensuite ça sera mardi, jeudi, dimanche, au moins jusqu'au début du tournoi le 18. Donc voilà, ça nous laisse pas mal de sessions à venir. Après, quand le tournoi commencera, c'est pas sûr qu'on ait le temps. Mais on essaiera de faire ça, surtout si ça vous plaît. Alors n'hésitez pas à nous faire un retour. Alors, c'est Epoch qui nous demande une question pour Yossif. Donc, Epoch qui est très pointu hein, sur l'ordre de coup. Donc il demande sur C4, 5, G3, cavalier F6. Fou G2, fou C5, c'est vrai qu'on a vu deux à la première ronde des candidats de cet ordre de coups. Il demande, voilà, quel est le... Comment jouer avec les blancs? D'accord. Comment jouer Donc, avec les blancs? dès que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler comment chaque ouverture est conçue, on va parler de C4. Donc, tout à l'heure, on a donné quelques exemples comment on peut jouer par un extra pion central. Là, quand on joue C4, ou E4, ou D4, il y a pratiquement la seule stratégie possible, c'est de jouer pour un avant-poste. La majorité au centre ou en avant-poste. Par exemple, après D4, D5, si vous jouez pour Catalan avec les blancs, C4, E6, par exemple, cavalier F3, cavalier F6, G3, comme Dinglerian contre Alexeyenko, si vous voulez, la dernière partie qu'on a vue au candidat. L'idée blanche, c'est de jouer E4. Et après l'échange en E4, il y aura l'avant-poste E5. Et après prise en C4, les blancs récupèrent le pion. Je pars plus tard. Là, DC, c'est un gambit. Il faut donner un pion, Ouais, tout simplement. Oui. alors admettons, ouais. Mais plus tard, si les noirs, un jour, après E4, prendront en C4, il y aura toujours un extra pion central. Oui, tu fais ça. Par Fais exemple. dame C2, cavalier BD2, tu fais tous les coups. Oui. Et après E4, à la fin, cavalier BD7, cavalier BD2, par exemple, B6, E4. Voilà, ok. Ouais. Et là, habituellement, les noirs laissent jouer E5. Mais s'ils prennent E4, cavalier prend E4, cavalier prend dame prend, c'est l'idée principale du catalan. Il y a l'avant-poste E5, on met le fou en F4, les tours au centre, les noirs souffrent déjà énormément ici. C'est une position très très désagréable pour les noirs. Donc c'est ça l'idée de cette variante. Et en général, je répète encore une fois, si vous faites D4, D5, il n'y a pas de 1000 possibilités. On joue soit pour C4, soit pour E4. Donc, pas de mystère. Si vous faites E4, E5, vous jouez soit pour F4, soit pour D4. Le reste, on peut faire tout ce que vous voulez. On peut jouer A3, C3, G3, mais il n'y a aucune idée stratégique. Tandis que l'idée, c'est D4, mais tout de suite, c'est bon stratégiquement, mais c'est mauvais pour le développement. Après D4, ED, dame prend D4, cavalier C6, on n'a pas de développement avec les blancs. Tout est parfait, mais il n'y a pas de développement. Et ici, on joue cavalier F3, cavalier C6, D4. Les C6 et D4, c'est le même problème après prise. Donc, on a pris l'avant-poste en D5, bien Alors. sûr. Les blancs menacent C4. Si les noirs laissent faire, c'est magnifique. Par exemple, si G6, C4 ou D6, G4, c'est très bien pour les blancs. Marotti. Mais si les noirs jouent ici, soit cavalier F6, soit fou C5, c'est beaucoup moins clair, surtout après cavalier F6. Ouais. Après cavalier F6, on n'y trouve pas l'avantage. Il y a plusieurs possibilités, C4. mais les noirs s'en sortent très bien En ici. général, on prend ici. Mais oui, c'est vrai que les noirs s'en sortent très bien. Fou Ouais. C5 aussi, une ligne Ouais. qui questionne Et je aussi. On peut jouer fou E3 ou Kb 3. Les blancs ont et essayé donc, plutôt Kb 3 ces derniers temps. en revenant à la question du C4. Donc, quand on joue C4, mais ces trois premiers coups, avec fou C5 et cavalier F6, dans la question C4, Ah oui, pardon, pardon. C4, tu E5, comprends la G3, question? Voilà, Kf6, fou G2, fou C5. ça et fou C5. Voilà. Donc là, on comprend parfaitement qu'il faut jouer avec les blancs pour D4. Et pas pour E3, D4, mais pour D4 qui permettra de reprendre après Avec un EB tout cavalier. cavalier en D4. C'est ça l'idée, pour avoir l'avant-poste en D5. Comment on peut réaliser ce projet? Sur cavalier F3, certainement, il y aura E4. C'est ce que nous disait Epoch dans sa question.
Tu vois, Époque, à chaque fois qu'on pose une question, ça revient à la catalane. Parce que Époque est un expert de la catalane aussi. Alors vas-y, KF3, E4, et là ça marche pas. Parce que sur KG5, il y a une petite pointe tactique, c'est ça? Fou prend Oui, il y a F2. cette variante. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment si grave? Donc, prise, cavalier Ah, je crois que c'est G4, grave là. roi. Si roi G1, dame prend. Et la question, est-ce que je peux prendre E4 ici? Est-ce que tu peux prendre 4? Bon, mais au pire, déjà je peux prendre un pion si j'ai envie. Mais il y Mais aura peut-être un peu de jeu. est-ce que tu le prends vraiment si je joue E3 sur... Ah, Ah! c'est un est attaqué, c'est un est attaqué, oui. C1 est Mais non, mais c'est attaqué, ça la ouais. raison, voilà, c'est ça la raison finalement. Ouais. Mais oui, après dame prend B2 qui protège G7, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors, Roi roi bouge et F2, il n'y a dame pas prend dame prend B2. G7 à cause de... Ouais, la dame protège le pion. D'accord. Et là, ça va aller pour Donc, on lui. peut pas faire KF3 tout de suite. Ouais, et donc, ok, Grishuk, il a joué ici D3, mais normalement, c'est cavalier C3. Le coup, ça doit être évidemment. Mais D3, c'est aussi très intéressant parce que il retarde cavalier F3. Après, il fera cavalier F3, cavalier C3 et D3, D4. Mais est-ce que ça marche ici? Je pense que je analyse cette variante. Et tu peux suivre D3, qu'est-ce que je donne? Roi, Oui. cavalier C3, ouais. Cavalier F3 et D6. Et là, ils ont joué roque, tour 8, je crois. Voilà, et A3, cavalier A4, A3, B4, etc. Ouais. Et c'est la première ronde, je crois. C'est digne contre Van Gaal. Ouais. Mais ici, logiquement, il faut analyser D3, D4. C'est ça le coup. D'accord. Ouais. Et si les Si on noirs prend, prennent D4, là on est content. là, je suis content avec le blanc, je peux vous dire. Parce que Ok, cette ça c'est fois, le une jolie risque est croix. sur les épaules des noirs. Avec ce pion, hein, qui est Ouais. une faiblesse. Là, c'est pas facile. Mais il faut continuer par fou B6. Et là, je donne l'analyse. J'ai un petit peu travaillé cette position, même pas pour aujourd'hui, je l'ai fait moi-même depuis des semaines déjà. Et ici, il y a deux possibilités, soit on fait fou G5, soit on fait D prend E5. Bon, voyons d'abord D prend E5, peut-être c'est le plus naturel, prise, prise, dame prend D8. Évidemment, on peut pas prendre 2 à tour parce qu'il y a le coup en prise. C'est faisable. Après cavalier prend, il y a fou E6 encore. C'est assez compliqué, parce que sur B3, fou D4, et il menace fou D4. Ouais. Ici, j'ai travaillé cette position, même ça, c'est pas très clair. D'accord. Même ça, c'est pas très clair. Mais après, fou prend aussi, c'est presque rien. Fou prend, tour D1, attaque le pion. Et là, il joue d'abord, je crois, fou A5, c'est ça que je crois. X5, x5, menace de prendre, Fou, donc ouais, fou D2. fou D2, et là on vient. Ouais. Et on est un peu bloqué, c'est vrai que ce Et fou est là, on pas. peut faire H3, fou E3. Regardez les coups que je propose. H3. Donc tu fais Après. H3, pourquoi tu fais H3? Je vais expliquer. Sur fou E3, t'as peur de Ouais, pour ne pas KG4. prendre cavalier G4, bien Donc sûr. tu. Et c'est une belle case pour le fou. Donc H3 d'abord, prophylaxie, et Et fou fou E3 maintenant. E3. Et après, l'idée, c'est cavalier D2, parce qu'il y a une case faible quand même en D6. Par exemple, ici, j'ai envie de jouer avec les noirs fou B6 partout. Par exemple, ici, j'ai envie de jouer fou B6, parce que après, il ne donne pas. Sur cavalier B7, je crois cavalier A4. Oui, Et là, sur fou B4. B6, la seule solution que je peux suggérer, c'est C5. Et sur fou C7, cavalier peut-être D en E4 pour aller en D6. Et cette position, elle est probablement un peu meilleure pour les blancs quand même. D'accord, donc c'est ça qui est important. Et s'il joue cavalier B7, cavalier A4. Mais bon, ça c'est la mesure, c'est minimum. Et encore, il faut montrer l'avantage après tour prend D8 au lieu de fou prendre D8. Je ne sais pas, j'ai travaillé il y a presque un mois déjà et je n'ai pas grand-chose ici. Mais D'accord. regardez l'idée du Caruana qui est la plus intéressante. Caruana, où est la partie du Caruana contre Van Van Forest? Forest, Tu la d'accord. vois? Wow, montre comment Caruana il a traité la position. C'est ça qui est le plus Il a intéressant. fait KC3. Voilà, et sur C6. Menace cavalier F3, vous comprenez? Donc écoutez pourquoi C6. Les blancs menacent cavalier F3, D6, D4. Et avantage. Pardon. Et là, D4. Et D cavalier prend D4 et c'est moins bien. Ouais. Ça, c'est notre erreur. D'accord? Ouais. Et donc, il joue E4, Van Forest, Obligé. cavalier H4. C'est presque ma partie contre Smyslov, au championnat du RSS. Cavalier H4. Et Alors sur maintenant, KG5, il a peur de D5 tout simplement, on va faire D5, H5 bien sans sûr, doute. oui. Ouais.
Donc cavalier Il joue H4. cavalier H4 pour pouvoir passer. Il attaque le pion et il menace passer par F5, donc D5 sur le coup. Et là, il menace gagner le cavalier par G5 et il donne cette pièce. C'est ça qui est colossal. Caruana, il montre l'analyse. Comme d'habitude, il connaît tout. C'est prend, et D3 il fait. Et D3. Donc, il ruine le centre. Et maintenant, s'il ne perd pas la pièce, c'est très bien pour lui. Et l'autre? Il fait KG4. Cavalier G4, oui, il attaque le pion. Il attaque F2, donc en roque, logique. Et il gagne Et le maintenant G5. Toute l'idée, c'est pion. de prendre le cavalier. Époque, il parlait de cette partie dans sa question. Et là, je donne un petit peu d'analyse, je donne les variantes que vous pouvez affiner peut-être après, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Écoutez, on ne peut pas analyser cette position en une demi-heure. Donc, je vous Oui, non, montre bien sûr. deux variantes. La première, c'est avec D4 et DE où il n'y a pas de grand-chose. Et ici, non, là, DE, comme il sacrifie. Voilà. Et là, je vous conseille à jouer avec les blancs. Cette position, j'aime beaucoup pour les blancs. Je donne D'accord. quelques positions qui ne sont pas claires, mais il y Fou a une autre. F4. Donc on va regarder vite fait les analyses. H prend G3, fou prend G3. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. On voit ces pièces qui sont pas sorties. Ouais, il Les perd le fous pion qui D5 jouent. et... Bon, bah évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, ça se voit qu'il y a beaucoup de jeux là. Dame D3. Ouais, donc tu donnes cette variante. Dame prend G3. On menace K prend D5. Et là, tu penses qu'il y a vraiment. C'est dur pour les noirs. Ouais, il y a une position, dès que vous allez regarder le fichier, il y a une position Et où il voit il y pas le a... fichier. Il voit pas le Ah, il ne fichier. peut pas voir. Ici, il Non. y a, dans une variante, tour plus deux pions contre deux pièces mineures. Et là, j'arrête et c'est mieux Celle-là, tour pour G8, c'est ça? moi. K Tour prend D5. G8. Il y a quelques... Oui, il y a avec cavalier E5 et dame C3, je crois, quelque part. Avance un peu. Ok, reviens. Ah, il revient, donc on fait pas nul. Voilà, K prend E5, dame ça. C3, C'est ça, F6, mais alors c'est une justement. pagaille indescriptible. C'est Mais c'est vrai ici. qu'en pratique, ça a l'air dur à jouer avec les noirs, hein. Parce Non, qu'avec le c'est roi pas comme pour les ça. humains, vous voyez. On peut l'ordinateur, il peut même l'ordinateur, la variante qu'il propose. Regardez là. Vous voyez ce vis-à-vis. Non, ça a pas l'air d'aller ça pour les noirs, hein. Je suis Non, d'accord. ça, je vous conseille un petit peu travailler avec l'ordinateur, affiner et jouer après. Ouais, comme ça. D'accord, donc puis on prend le 4. Ce sacrifice de pièces, t'aimes beaucoup pour les blancs. Donc tu conseilles Aucun de jouer comme Caruana. risque. Je donne deux ou trois variantes, même quand il y a deux pions pour la pièce et deux pions liés, E et D, avec deux fous. Aucun risque pour le blanc. Peut-être difficile à gagner, mais c'est les noirs qui cherchent à sauver le meuble. Vous savez, pour les candidats, ceux qui jouent, il faut bien comprendre. Vous avez pas seulement les meilleurs du monde, ça on ne discute pas même, mais vous pouvez imaginer les ordinateurs qui les utilisent. Parce que, bon. Et Laurent et moi, on peut acheter un tel ordinateur, certainement, mais c'est pas rentable. À quoi me sert d'acheter, payer aujourd'hui pour une carte graphique plus que 5 000 euros? Et après, dans quelques mois, il faudra acheter une nouvelle machine parce que ce sera déjà obsolète. Et donc, ça ne sert à rien pour moi. Je ne travaille pas aujourd'hui avec le joueur d'élite. Si je travaille avec quelqu'un de 2800 ou 2750, évidemment, j'ai besoin d'un tel ordinateur. Mais je peux travailler avec une telle machine sur PHS.com et pour comprendre plus ou moins qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, et là, je vous donne l'analyse exactement de cette machine, de 16 gigas carte graphique. Et vous pouvez imaginer déjà qu'est-ce qu'elle génère. Vous voyez? Et peut-être, j'ai envie de terminer cette phrase, peut-être les joueurs comme Alexeyenko, ou qui avait joué cette variante encore, Van Gaal, peut-être ils ont Alors, il y a eu des passé, parties. Ah oui, ouais. Wangawa Alexienko, candidat. peut-être ils ont passé une semaine sur cette position avec cette machine. Vous voyez, si je me prépare pour les candidats, évidemment, je passe une semaine ici, pour être sûr que je vais égaliser devant l'échiquier. Mais ce n'est pas pour nous, vous voyez. Si vous allez jouer cette variante avec les blancs, vous allez normalement gagner pratiquement toutes les parties, avec les D'accord. analyses d'ordinateur. C'est Donc, hyper dur. Époque te remercie pour ta question et il dit qu'il voulait jouer l'anglaise pour avoir des positions tranquilles, mais là c'est raté pour le coup. Et oui, c'est comme ça, c'est les échecs, il faut jouer le coup juste aussi, Ouais, ok, on avance. La hein. question suivante. Alors, la question suivante, c'est une question de Phoenix89. Alors, c'était Ah, c'est très E4. intéressant, très très intéressante comme la question. Merci. Voici mes questions. Alors, ça c'est vraiment le maroxy, c'est ce que t'adores. Ouais. Alors, ce qu'il aime bien avec les noirs, c'est cette variante E4, C5 et F3, Elle a G6. posé la vraie question. Puis on prend, puis F3. Juste une observation, écoutez. Si vous jouez avec les blancs de cette position, après G6, juste petit conseil. Tu reviens un coup en arrière. Je vous conseille de commencer par C4 ici.
pour ne D'accord. pas déjà donner la chance à revenir sur Dracom. Vous comprenez? Ah, d'accord, on Et peut là, il y revenir a sur encore Dragon. les Il n'y a 6. pas Si vous restez cinq 4, il n'y a échecs. plus Dracom. C'est seulement Marocé. Ok, c'est 3 et D6, ça peut revenir sur un Il faut dragon. faire encore ça. D'accord, donc tu conseilles de jouer Un C4 peu plus d'abord. précis, un peu plus précis. C'est la même Ouais, je personne, mais comprends. Non, il mais est c'est privé du dragon cette fois. une belle finesse. Voilà. Et la variante avec Fou G7, D4, Cavalier C6 n'égalise pas. L'ordinateur donne avantage partout là-bas. Donc, oui, cette position, vas-y, Cavalier C6, C4. Alors, je pose d'abord les deux questions qu'il pose. Donc, c'est C4, Fou G7, Fou E3, Dame B6. Il demande ton avis sur ça. Très importante, oui. C'est ça que j'ai travaillé. D'accord. Ok. Donc, très bien. On va regarder ça. Et donc, il dit donc, et B3, c'est le coup normal, c'est ça? Oui, parce qu'après cavalier B5, il faudra. Oui, dame A5, et il faut jouer avec le cavalier B5 en C3. Je ne sais Oui, pas, c'est. est-ce que c'est si banal Sinon, c'est aussi. ça. Parce que même si on joue. Ça, ouais. Je suppose. Bon, K5, C3, oui. Remarque, pas Ouais. sûr, mais bon. Donc, ici, il faudra trouver les moyens pour développer les blancs correctement. Mais vous savez, la partie n'est pas terminée. S'il arrive à roquer et jouer cavalier D2, cavalier B3. Ça sera une des pires positions du mat aussi pour les noirs. Donc même ici, il faut encore trouver le jeu dynamique. Je répète encore une fois. Pourquoi dynamique? Rapide. Donc le jeu dynamique, pour ceux qui n'ont pas lu mes livres, qui n'ont pas regardé les vidéos non plus. Donc si la position est inférieure sur la longue durée, ça j'appelle un avantage statique. Il faut essayer de faire basculer la situation. Et là, le tome est important uniquement pour les noirs. Parce que les blancs jouent confortablement avec F3, Fou E2, Petit Roque, puis Cavalier D2, Cavalier B3, et après C4, C5 en jour, etc. Dame D2, les tours au centre. Et donc, les noirs doivent faire absolument basculer la situation. Et je propose trois types du coup dynamique aux échecs, trois groupes. Du coup dynamique. Le premier groupe, c'est les coups qui modifient la structure du pion, surtout au centre. Donc le D'accord. premier coup candidat sera F5. Il n'y a pas d'autre. Oh, E5, il y a E5. Mais E5, c'est complètement antipositionnel, mais il y a E5 aussi. Mais normalement, c'est F5. Deuxième groupe, c'est les coups qui changent le matériel ou qui proposent les échanges. Bon, tous les deux sont mauvais. Fou prend C3, c'est ridicule. Fou H6 aussi. Mais c'est les coups candidats. Et après, c'est l'initiative. Pour l'initiative, c'est toutes les attaques possibles. À part cavalier F6 ou dame B4, je ne vois pas de coup. Mais ni l'un ni l'autre ne convient pas, à mon avis, les noirs. Parce que dame B4, c'est quand même très suspect. Bon, on ralentit un peu le développement des blancs. Il faut faire un coup comme peut-être. Soit, ou même dame C1 est subtil pour faire A3 et sur dame B3, cavalier D2 pour garder cette case. Je ne sais pas. Mais forcément, ce n'est pas une bonne idée pour les noirs. Vous voyez? Et donc, ici, après cavalier B5, C3, il faut être très créatif. Je ne peux pas vous dire que je vois tout de suite comment faire. Peut-être ici, il y a. Faites ça alors. Oui, provoquer F3. Non, Ouais, peut-être je peux ça ne faire ça, provoque hein. pas, donc tu laisses faire ça, justement. Ouais, et D6, fou 2, tout Oui, simplement. oui. Et on est déjà peut-être dans une situation un peu risquée. Ouais. Non, mais Peut-être, pardon. je vous montre les idées, vous comprenez l'esprit de la position. Moi, je vais Ouais. travailler ça tout de suite. Quand je vois qu'il n'y a pas de solution immédiate, je vais tenter. Mais si vous regardez la database, surtout les parties par correspondance, peut-être ils ont déjà essayé ça. Mais normalement, quand j'ai préparé le cours, c'est cavalier B3 uniquement. Donc juste parce que t'as dit quelque chose d'intéressant par rapport à ta méthode. Donc quand les noirs sont moins bien, donc il faut qu'ils jouent dynamique parce qu'ils sont Bien meilleurs. Mais alors sûr, pourquoi ils sont parce moins bien que dans sur cette la longue position? durée, il y a l'avant-poste D5. D'accord. Regardez, Donc c'est ça qu'il faut encore une fois, expliquer. c'est quoi l'avant-poste pour ceux qui n'ont pas. Écoutez, nous sur le vidéo, on n'a pas lu mes livres, surtout le dernier que j'ai sorti, c'est-à-dire la deuxième édition en anglais qui est parue au mois de septembre, je crois, ou octobre. Là, il y a un chapitre qui s'appelle l'avant-poste. Et donc, l'avant-poste, regardez, c'est une case, comme Laurent montre avec la fléchette, située sur une colonne semi-ouverte. Donc Il y a une semi-ouverte, colonne c'est un seul semi-ouverte, pion, un CD, seul pion sur la colonne. devant le pion Il y a ça adverse. aussi.
au cinquième rangée de chaque côté. Donc pour les blancs, c'est Cinquième rangée. cinquième rangée, c'est D5. Pour les noirs, cinquième rangée, c'est C4. Mais cette case est déjà occupée par le pion blanc. Donc il y a uniquement l'avant-poste D5 ici. Et c'est D'accord. pourquoi les noirs doivent être très rapides. Quel est le problème dans ce genre de position quand vous allez travailler seul à la maison? Ici, il y a une pièce mauvaise chez les noirs, c'est la dame. C'est la dame. Il faut comprendre que la dame, désespérément, cherche une case sûre. Et la seule case, apparemment, c'est D8. Parce qu'en C7, elle sera attaquée par le cavalier. Et la tour en C1. Donc, il faut revenir. Donc, oui, là, dame D2, pas cavalier C3 à cause du fou Dame problème. des deux, Je ne sais pas, je ne connais pas qui a posé cette question, mais sur le cavalier c'est C3, Phoenix, c'est évidemment, Phoenix. prise en C3, toujours. Et Alors, Dame D6, des... et Alors, D7. Dame D8, il demandait sur Cahier C3, est-ce qu'il faut Prise prendre en C3 ou pas? sans Voilà. réfléchir, oui. Prise sans réfléchir, Mais d'accord. vous savez, il y a même les grands maîtres qui ne comprennent pas ça du tout. J'avais une partie contre un grand maître vétéran qui était très très fort, Jansa, Vlastimil Jansa, qui habite à Luxembourg aujourd'hui. Et on a joué dans la Ligue autrichienne, je crois. Et je l'ai battu dans Dracon avec fou prend C3, BC. Et moi, je pensais qu'il devait abandonner au bout du 15 coups environ avec les blancs. Et lui, dès qu'il a abandonné, il m'avait dit qu'il était gagnant toute la partie. L'effet de ce fou E3 était aussi fort qu'il ne comprend pas que les noirs qui possèdent un seul fou et deux cavaliers doivent jouer sur les cases blanches. Et le jeu sur les cases blanches est déjà prêt. Regardez le pion C4. Il suffit de jouer D6, B6, fou E6. Une des pièces lourdes sur la colonne C, cavalier en E5, ou cavalier F6, D7, E5, cavalier A5, etc. Et donc, il faut mater, mais mater avec le pion en F6, c'est pas si simple quand même. Dès qu'il joue Ouais. D6 et E6, c'est pas évident. Et donc, ici, je ne dis pas que les blancs sont mal déjà, mais il est beaucoup plus difficile à jouer avec les blancs cette position. Tous les coups de noir sont évidents. Et ça veut dire que l'avantage statique, à mon avis, appartient aux noirs. Et les blancs doivent être très, très créatifs pour trouver les idées. Comment jouer contre le roi noir? Maintenant, Laurent, j'ai envie que tu avances au lieu de cavalier C3. Montre, s'il te plaît. Oui, mon analyse. Oui, dame D2. Ah, écoutez, j'ai commencé à parler qu'il y a la dame mauvaise en D8. Et toutes les recherches de noir sont liées avec A5, A4, qui prépare la case A5 pour la dame. Et là, je vous montre une idée. Donc, je donne A5 direct ici et un coup plus tard. Donc, si A5 direct, qu'est-ce que je propose sur A5? Je donne quelque chose ici, je crois. Oui, tu donnes. KC3. Ou cavalier AK. C5. Cavalier C... Et cavalier A4, C3. KC5. Ouais, et là, il doit jouer A4, A3, B3. Maintenant, cavalier C5 ira en A4. La case B6 est faible. Et tour D1. Et là, maintenant. Il faudra jouer un jour B6, mais la dame sortira jamais. Jamais. OK? Donc, Dame D2. ce n'est pas fini, mais c'est là qu'il faut chercher l'avantage, évidemment, avec les blancs. C'est ça que j'adore avec les blancs. Dans le livre, je donne ma victoire contre Evgeny Vasiukov, un connaisseur très profond de cette ouverture, avec Velimirovic. Je connais deux baleines à l'époque, Velimirovic et Vasiukov, qui ont joué sans arrêt cette ouverture. Les meilleurs du monde, les deux. Larsen aussi, un petit peu Larsen. Et donc, et la deuxième variante, si les noirs ne jouent pas à 5 direct, tu reviens s'il te Il plaît, joue tu joues petit D6. roque alors, ou Ouais, D6, et c'est pareil. trop tard, regardez pourquoi c'est trop tard, parce que je roque. Et maintenant, sur A5, il y aura cavalier A4 à chaque fois. Ça, le problème. Et il faudrait aller à cavalier D7 et B6. Et B6. Ok, on va faire après cavalier C5, cavalier reviendra en C3. Je donne une analyse. Tu peux avancer, je vais montrer une belle variante ici. À la fin, qu'est-ce que j'ai trouvé sur ma table? Alors je pense que tu l'as donné. Tu l'as donné dans quel. Ah, comme ça. Il y a une variante, oui. Tu vas faire. Fou Oui, E6. c'est ça, c'est ça. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, Non, c'est non, Cahier non, il y a une D7. autre avec cavalier D7. Tu peux Ouais, trouver. tour Oui, D1, toujours. B6, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Petit roque, fou B7. Ouais. Et là, Cahier C3. Oui, il joue cavalier, Parce qu'il voulait faire Cahier C5, c'est ça? il joue à 4. Et là, attention, il y a cavalier A1, je crois, je donne ici. Ouais. Et maintenant, ce cavalier C2, il ne bouge plus. Il faut jouer cavalier B4. Donc là, l'idée, en fait, tu veux pas jouer Cahier D4 parce que tu veux pas échanger les pièces. On est d'accord. Il va échanger dame C7, dame C5. C'est plus facile pour lui quand même. D'accord, parce qu'il a évidemment il a moins d'espace, donc il a envie d'échanger les pièces.
Ouais. Tout à fait logique. Bon, même si ça reste toujours un peu mieux pour les blancs, Un peu, probablement. ouais. Là, habituellement, on joue avec F4. Je donne cette variante plus tard, mais juste une idée ici. On ne peut pas aller très loin. Donc, chacun, il peut travailler seul. Mais regardez ici, qu'est-ce qui est important. Quand je joue ici cavalier B4, il ne laisse pas jouer cavalier C2. Et là, je joue quel coup? Et C'est B5. cavalier. Voilà, regardez quel bijou. Attaque le cavalier. Et B donne le pion. Voilà, et regardez comment on achève les noirs. Pas cavalier Et C2. C2 menace tour 1. Nastora, et s'il prend cavalier C3, ou fou H6 intermédiaire. Et tu Et ramasses ça, tout. c'est déjà fou c'est un seul coup, et là, je ne crois pas qu'il survivra. Ouais. Donc, Ouais, ça, donc c'est ça va déjà pas une du idée tout. assez concrète, vous voyez? D'accord. Donc il peut pas, en fait, il bouge plus dans ces systèmes. Ok. Bon, je pense qu'on a dit suffisamment, déjà, pour pouvoir continuer. Oui, non, mais voilà, je crois que Phoenix, si t'as pas d'autres questions, Est-ce qu'il est allons-y. satisfait ou... Je pense que oui. Alors juste, je fais un petit aparté à Ninimous qui dit comment on fait pour poser une question. Alors, on l'explique. Envoyez avant le show, alors soit un commentaire de l'article, soit à Zlatan56, c'est mon pseudo sur Chess24, mais envoyez-les au moins la veille que Yossif ait le temps de préparer tout Non, mais ça. À moins regardez, de pour vous faire 24 heures, plaisir, j'avais on sur ma termine les table questions. pour répondre à vos questions et vous voyez, c'est quand même faisable, même pour répondre à 10 questions. Oui, non, bien sûr, mais bon, si t'as du, c'est mieux de Non, faire la veille, je hein, n'ai pas le eu plus les tôt cours possible. aujourd'hui, vous voyez, Ouais. sinon c'est très dur quand même. Ouais, voilà. Donc Non, la veille, on clôt les mais questions. De vous toute avez façon, on 3 jours aura. avant dimanche, c'est largement Non, suffisant. mais on a déjà plein de questions en réserve, mais bon, on essaiera, évidemment, on fait dans l'ordre, hein. On y va. Alors, maintenant, on a une question plus philosophique, je dirais, d'Indian Ocean, qui dit la question à Yossif, est-ce qu'Alpha 0 ou Lila ont apporté à la pratique des ouvertures? Quelles ouvertures? Qu'est-ce qu'elles ont apporté, donc Alpha Zero ou Lila? Donc je crois que t'en parles régulièrement. Donc l'intelligence artificielle, hein, pour ceux qui découvrent un peu ce monde-là. Donc ça, c'est les nouveaux ordinateurs. Donc notamment Alpha Zero, hein, qui a vraiment été créé Ouais, donc par c'est Google. absolument nouveau, c'est l'autre niveau des analyses, c'est plutôt un jeu humain du plus haut niveau qui existe. Vous vous souvenez le match, le premier match d'AlphaZero, comment on a été choqué par ces idées, par les sacrifices du pion, de quelques pions positionnels pour créer la faiblesse du roi, etc. Et donc, vous vous souvenez l'article de Matthew Sadler. Génial son article et comment on peut apprendre les échecs avec les parties d'Alpha Zero ou les là. Mais je crois qu'il y a ici une partie du question pourquoi les joueurs, ou c'est la suite de sa question, Non, pourquoi la les suite de joueurs. sa question, c'est quelles ouvertures sont les plus saines et quelles sont douteuses. Oui, je Voilà. comprends. Mais je pense qu'il a posé, ou c'est pas lui, quelqu'un il a posé Non, la c'est pas question lui. dans le même sens, je vais vous dire. Il y a un autre qui avait posé la question. Pourquoi les joueurs d'élite ne sont pas aussi évolutifs, créatifs? Pourquoi ils jouent les mêmes positions que vous voyez dans tous les tournois? Berline, Marshall Attack, Tara Chamel-Leray, Catalan. Donc il y a un poignet seulement. On y reviendra ici maintenant. Oui. Et D'accord, donc j'ai pas vu cette il question. pose la question pourquoi on ne joue pas cavalier C3 au premier coup? Ah, j'ai Et pas vu cette je. question, ok. Oui. Cavalier C3 ou G3 fou G2, je vais répondre à cette question parce que finalement, il y a les ouvertures ou les variantes qui sont déjà classées. Ça veut dire, d'une façon mathématique, on a montré que ça ne marche pas. Ici, si vous faites par exemple le coup comme cavalier C3, c'était la question, le premier coup cavalier C3. D'accord. Ce coup ne représente aucune idée indépendante parce qu'après D5, il faudra jouer. Soit E4, et ce sera Caro-Kann avec le pion en C7, c'est un tome en plus pour les D'accord. noirs. Cavalier C3, si D5, E4. Ici, D5, D4. Ici, D5, D4. C'est pire que Veressov parce que je peux jouer maintenant au fou F5 aussi. Pas forcément cavalier F6, je peux jouer même fou F5 avec les dés E6. Et fou G6. Donc, s'il faut jouer F3, E4, je suis satisfait. C'est pas Caro-Kann avec F3, désolé. Le fou est déjà en F5. C'est pas du tout la même histoire, vous voyez? Ouais. Même cette position. Ici, je joue E6 avec les noirs, E4, fou G6, et c'est assez normal. Même si vous faites peut-être cavalier H3, j'ai analysé cette position, elle est normale pour les noirs. Ça, c'est jouable. Mais
Au lieu de fou F5, cavalier F6, c'est aussi très bien. Parce qu'il faut jouer. Là, il y a fou F4, il y a fou G5. Il y a un joueur qui m'a joué fou F4 l'année dernière en N1, fou en C8 et cavalier F6. Alors, non, à la place de fou F5, Ah cavalier oui. F6, ouais, il m'a joué ici fou F4. Il m'avait dit après la partie que c'était la mode. J'ai fait C5, E3 et je crois fou G4, nouveauté théorique. Et sur F3, fou D7, c'est la partie. Je donnais le pion et c'est très bien pour les noirs. Il a pris, j'ai fait cavalier C6, je donnais le deuxième pion. Ça, Voilà. j'ai trouvé devant l'échiquier, juste. Ouais. Et ici, je crois dame à 5 échecs, très importante, pour éviter dame D2. Et après, sur C3, E5, et grand roque. C'est la partie, c'est comme ça que j'ai joué. D'accord. Ok, intéressant. Ouais. Ok. Et là, c'est très chaud pour le blanc. D'accord, donc. Parce qu'il y a dame à 3 sur B4, ouais. Impossible. Et donc, oui. Et après, j'ai fait une erreur et j'ai fait nul, mais c'est complètement gagnant. Un coup avant nul, j'avais encore moins 4, je crois. Ouais. Donc, ça c'est assez important. Et sur fou G5 au lieu de fou F4, si on joue fou G5, là, bon, là, il y a IC5 et cavalier BD7, il n'y a rien ici, rien du tout. Donc, c'est pour ça que cavalier C3, ici, sur cavalier C3, on fait E5. Le seul coup valable, c'est quoi? C'est D4. Sinon, vous faites viennoise. Vous comprenez? Donc là, je peux prendre et après, il faudra Viennois, jouer c'est ça, quelques hein. dames Viennois, encore. c'est Oui. ça, donc. Oh non, là, c'est cavalier F6. Et Ouais. il y a déjà toutes les recettes comment jouer avec les noirs. Donc, non, là, c'est cavalier C6, bien sûr. Il n'y a pas de même dame H4 et je ne comprends pas. Ouais, Ouais, peut-être. non, ça va pas. Ouais. Il n'y a pas de case pour Alors, on peut dame, jouer, mais non. vous comprenez, c'est les variantes qui donnent rien du tout. J'ai connu à l'époque un messier qui a joué dans le jardin public, et il a commencé toutes les parties par C3, il était le propagandiste de C3, il avait dit que ça donne avantage. Mais toute l'histoire d'échecs de quelques siècles déjà avait fait la sélection. Il y a seulement quelques coups qui sont jouables. Le reste est connu déjà. Ça donne rien dans le meilleur cas, ou si c'est moins bien même pour le blanc. Et il reste seulement quelques positions où l'évolution encore tourne autour d'égalité, où on n'a pas encore le résultat final. Et c'est pourquoi, par exemple, dans la berlinoise, il faut aller jusqu'à le coup 35-40 aujourd'hui pour avoir un très Ouais. léger avantage. Un Par très léger exemple. avantage. Comme Maxime Voilà. contre Comme... Richaud, Exactement. comme vous avez vu. Prise, cavalier F5, prise, H3. Et là, si vous commencez à travailler fou D7, par exemple, et lui, il est joueur roi A8. Mais si vous commencez à travailler ici fou D7, vous allez apercevoir qu'il analyse dure jusqu'à 40e coup, environ. Il n'y a pas de choix. Si vous voulez avoir un léger avantage, c'est jusqu'à 40e coup qu'il faut tout connaître. Et évidemment, les joueurs d'élite, ils font ce travail. On n'a pas de choix. C'est pour que vous avez une idée comment ça marche à haut niveau aujourd'hui. Il n'y a pas de choix. C'est très épuisant, bien sûr. Nous, on a été encore, les joueurs de ma génération, on est très heureux qu'on n'a pas eu les ordinateurs. On pouvait jouer un coup devant l'échiquier, et ici, tu as été peut-être meilleur, plus doué, tu as eu toutes Tu les chances gagnais. pour gagner. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui joue. Il joue très très longtemps. D'accord. Ouais. Donc Ok, donc merci, c'est la Yossif. réponse à cette question à peu près. Ici, il pose des questions sur les ouvertures. Bon, on peut citer tout ce que vous voulez. Par exemple, cette française qu'on a montrée tout à l'heure. Même cette anglaise, Caruana Van Forest, où on sacrifie la pièce avec cavalier H4, on a vu il y a quelques minutes. Tout ça, c'est des jeux Oui. d'ordinateur, évidemment, vous comprenez? Cavalier C3, je parle du maximum. Ouais. Il y a, oui, sacrifice de pièce. Tout Oui, ça, c'est oui. le travail du Léva. Évidemment, c'est Léva qui a montré tout ça. Ouais, Ouais. exact. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va passer à la question suivante Question parce que suivante. donc c'est sûr. Alors, c'est une question de Gérald Gardier qui est apparemment qui a regardé Des les vidéos. vidéos séries parce que il parle de la Scandinave et donc on parle de la Scandinave dans les vidéos Il faut que séries tu donc. reviennes en arrière. Donc, fais des 5. Donc, Prise, il prise. pense que prise cavalier F3. Oui. Donc, pourquoi je proposais cavalier F3? Je vais vous dire. Les noirs possèdent l'avant-poste D4. La colonne se met ouverte, cinquième rangée du côté noir, devant le pion blanc D2. Et pour le blanc, c'est l'avant-poste E5. Donc, l'avant-poste sur la colonne D est plus importante que l'avant-poste sur la colonne E. Pourquoi? C'est parce que l'échiquier est conçu de telle façon qu'il est beaucoup plus facile à contrôler l'avant-poste sur la colonne D. Les noirs menacent C5, puis cavalier C6 et E5.
Et pour consolider l'avant-poste E5, c'est plus compliqué parce qu'après D4, il y a C5 très souvent. Et si le blanc joue au lieu de cavalier F3, le coup cavalier C3 habituel, après on joue D4, reviens s'il te plaît, au lieu de cavalier F3, cavalier C3, dame A5 par exemple. Moi j'ai joué dame D8 souvent aussi. Et maintenant, oui, même ça, et j'ai gagné quelques parties. Mais l'idée du coup du dame, c'est qu'on joue maintenant cavalier F6, on va sortir le fou et on va jouer C6, E6. Les blancs ont besoin le pion dans C4. S'il n'y a pas de pion dans C4, comme Don Alekhine par exemple, où on étouffe les noirs. Don Alekhine, il y a les pions D4, C4, bien sûr. Oui, E5, cavalier D5, D4, D'accord. D6, Oh. C4. Ou cavalier F3, pardon, pardon, cavalier F3 d'abord. Cavalier F3 d'abord, fou G4 par exemple. Ou DE, DE, cavalier pour l'instant. Tu peux faire DE, cavalier pour l'instant aussi. Oui, et après on joue C4, et il y a les pions, oui, et cavalier revient. Et maintenant il y a les pions D4, C4, après on fait cavalier C3, H3, on ne laisse pas jouer E5 et les noirs sont moins bien. Ici, dans la Scandinave, on est privé de ce plan parce qu'on ne peut pas jouer C4 tant que le pion est. Et le cavalier en C3. Et c'est la raison pourquoi je suggère cavalier F3. Donc, à mon avis, les noirs ne peuvent pas arrêter ici D4. Pourquoi? Si on joue E5, par exemple E5, c'est l'ouverture centrale inversée. E4, E5, D4, avec un tome en plus pour les blancs. Je répète. Voilà. D4, puis on prend d'en prendre. Mais il y a déjà le cavalier en F6, imaginez. Donc là, vous avez. Et là, c'est au noir de Avec jeu. le couleur inversée, voilà. Ouais, donc ça va pas. On est d'accord. Ouais, et donc on ne peut pas. Je vais montrer même pourquoi. Tu peux revenir et vers la Scandinave. Donc D5, prise d'emprunt, cavalier F3. Maintenant aussi E5, je joue cavalier C3, qui menace D4, et sur dame E6, qui on fait dans l'ouverture centrale, dame E3. Là, il y a fou B5 échec, terrible. Parce que sur C6, fou A4, fou B3, et c'est fini. Roque et tour 1 et. On ne peut pas Ouais, sortir. ça va trop Ouais. vite, c'est trop dynamique, ouais. On Et est trop bien développé. sur fou D7, petit roque achève, tout de suite. Là, c'est abandon. Menace cavalier D'accord. D5. Si on prend, on prend, on attaque ça, on attaque ça, Cavalier on laisse prend le tour 5. E1. Ça va pas du tout. D'accord. Donc Ouais. E5 va pas, C5. Et C5, Alors. c'est cavalier C3 et D4, et retard de développement aussi. Ouais, on a un problème avec cette Là, dame, on c'est change de pas dame. facile. Ouais, il y a ça. Et on voit, Et. tout est sorti déjà. Ouais. Tout va sortir facilement, alors que les noirs, c'est pas Très fait, hein. désagréable. Et donc, c'est pourquoi j'ai proposé ce coup. Il y a la seule réponse, finalement. C'est fou G4. Pourquoi pas cavalier C6 au lieu de fou G4? Il faut expliquer. Si cavalier C6, je fais 7 fois, je gagne tout de suite par cavalier C3 et sur dame A5, fou B5. Et le problème ici, c'est que sur fou G4, je peux faire, je crois, H3, fou H5. Petit roque, grand roque, Tu peux pas grand faire roque. ça là? C'est un coup plus tard. Ah d'accord, Oui, ok. mais c'est Petit pareil. roque. Ok, n'importe. Tu peux faire roque, grand Grand roque, roque G4, fou G4, G6. G4, fou là, tu prends C6 et tu joues D4. Et là, c'est terminé. Et là, c'est D'accord, puis terminé. F5 qui arrive, Cavalier ça arrive D5 très est vite. On voit. imparable. On voit, pardon, on voit Cavalier les pions. D5 imparable, ouais. Là, c'est fini. Ça, D'accord. j'ai travaillé, on ne peut pas sauver cette position. Complètement KO. Cavalier E5, dame F3, achève. D'accord. Et donc, il reste la seule. Pourquoi j'ai proposé ce coup? Ce n'est pas que j'ai inventé tout à coup qu'on peut jouer cavalier F3. J'ai travaillé beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une partie par correspondance. C'est toujours Léo, à mon avis, parce qu'avant, ça n'a pas existé. Qui montre qu'il y a fou G4, fou E2, cavalier C6. Tout ça, j'ai analysé déjà à l'époque, bien sûr. Et maintenant. Si je joue cavalier C3 après dame A5, je n'ai pas joué fou B5, vous comprenez? Et il est très très content. Maintenant, grand roque, il presse D4. Donc, je ne peux pas jouer cavalier C3. Et ici, à la place du cavalier C3, si je joue H3, malheureusement encore, il y a le jeu concret. Fou prend cavalier. Normalement, c'est interdit. Mais là, prise et dame E6. Et dame E6. Et sur dame E2, il y a cavalier D4 intermédiaire. Prise en E6, prise en F3, GF. Non, tu veux FE. dire ah ah d'accord, Vous joli joli joli. comprenez, là, prise en F3, Ah. GFFE, et après, je vais jouer sur G6, H4, mais il n'y a pas d'avantage. Cette position, elle est égale. Et eu chacun a ses faiblesses. Voilà.
Et donc, il reste la dernière variante. Il reste la dernière variante. Je vous montre. Donc, je ne peux pas jouer H3. Malheureusement, je suis obligé de jouer D4 ici. Sinon, je serais privé du D4. Donc, je joue D4. Je profite qu'il n'y a pas de fou prend F3. Parce que je prends et on ne peut pas manger. Le pion. Fou prend Tiens la C6. dame. Donc, il doit faire grand roque, certainement. Et là, je réalise mon projet. C4. C'est pour ça que j'ai joué la variante. Et tenez-vous bien. Ici, il y a. Donc, je n'ai pas vu ce coup à l'époque quand j'ai trouvé. Mais vous pouvez me pardonner, vous allez voir comment les noirs réagissent ici. D'accord. Tout est en faveur des blancs, mais il y a le coup dame F5. Difficile à comprendre encore. Fou E3. Donc on veut prendre ici et prendre ici, ça c'est Ouais, donc clair. on joue fou E3, et là, fou prend F3, fou prend F3. Cavalier prend D4, fou prend D4. Attends, il n'y a pas... Ah, Fou sur prend ça, il y a D4. ça! Oui, justement. Waouh! Il n'y a pas de case. Et ça, tout Allez, simplement. c'est bon, regardez. Et Fou prend donc, D4, ok. et là, il joue dame E6. Ok. Fou E2. Et ici, encore, on peut se tromper, jouer dame E4. Mais si on joue C5, c'est nul forcé, que je donne dans le fichier. Ça, c'est mon analyse, et là, c'est nul. Mais alors, Encore, j'ai j'ai pas analysé encore un le... petit coup et. Rien faire. J'ai analysé dans ma 4, etc., mais c'est nul. Alors, attends, juste une minute. Oui, Ça, c'est l'autre question déjà. Et ça, c'est oui. question. Ah, c'est dans celle-là, oui, Oui, d'accord. là, il y a le Je sacrifice t'ai de mis pièces. dans... L'autre variante. Le cavalier BD2, il sacrifie la pièce. Alors, dame à 4, pion prend D4, Ouais. menace D'en prendre, ça. il y a D3. Tu peux prendre D3, cavalier C3, et c'est nul D3. forcé. Et là, c'est nul. Je donne Et on est nul. obligé de prendre le perpétuel, c'est ça? Ouais, il est nul ici. Donc. Et on va revenir. Ouais, une Ouais. pièce au moins Et chez là, les c'est. noirs. Ce pion est gênant, d'accord. Non, mais vous pouvez comprendre, c'est quand même, c'est pas évident, vous voyez? Et dans Oui, l'autre bien sûr. variante, ici, il y a cavalier BD2, où il donne la pièce positionnellement, et Léa tient cette position, mais je ne peux pas à la main faire ça, vous comprenez? Il y Alors, a. qu'il prend des 4. Ouais, prise et F3, gagne une pièce. Prise F3, il y a une pièce, il faut H5, G4. Mais justement, c'est là où ça commence. Et Dame là, ok, vous F6. pouvez continuer vous-même avec l'ordinateur à la maison, il vous montrera. Mais c'est Léo qui montre. L'ordinateur normal n'est donc pas nul ici. Et Léo montre nul. Échec pair ici. Si échec roi F2, échec roi G2. Mais l'ordinateur montre le jeu où les noirs tiennent. Là, c'est fini. Mais il y a le coup du pion E et les noirs sont nuls. Ok? Bon, Ouais, ok. j'ai dit plus que vous pouvez imaginer peut-être pour cette variante. Peut-être la question suivante. Ouais. Question suivante. Bon, est-ce que la réponse convient? Je suppose que oui. Alors, des gens demandent de tes nouvelles. Est-ce que t'es... Je suppose que oui, hein. T'es toujours bloqué en Allemagne, malheureusement. Je suis en Allemagne, je devais rentrer le 22 mars et maintenant on a changé les réservations. Mais vous savez, d'un côté, j'ai envie d'énormément rentrer à la maison, même si je suis dans la famille avec ma fille et les petits-enfants. Mais de l'autre côté, en Allemagne, la situation est beaucoup meilleure aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est incomparable. Tout est Ouais. calme, absolument tout. J'ai acheté les masques. Dans la pharmacie. Non, mais j'ai posé la question comme ça. J'en étais sûr qu'ils vont répondre la rupture nationale, comme en France, avant le départ. Mais elle m'avait dit combien? Mais elle m'avait Ah, dit, j'étais pour d'accord. toute la famille, c'est tout. D'accord, ok, mais tant mieux. Écoute, on espère que ça ira mieux pour tout le monde. Je fais la démonstration, si vous voulez. D'accord. Voilà. Ouais, non, c'est en France, c'est plus dur à trouver, effectivement. Ça, je Bon, comprends. mais peu importe, on espère que ça ira mieux. On essaie de se changer les idées en jouant aux échecs et en répondant à vos questions. On a Oui. une question de Ah, ça, c'est ta Stayflow. partie d'ailleurs contre Gozoli. Oui, C'est la alors j'ai question. intégré la partie contre Gozoli, Tu peux juste pour lire la montrer. question déjà. Bonjour Yossif, je joue lors de coups suivants. D4, D5, C4, 6, Kc3, Kf6, Kf6, Fou G5, Fou E7, Cavalier F3. H6 pour jouer sur fou H4, il veut jouer une tarte à cover. Alors, Le tarte à tard avec cover, B6. c'est Ouais. vieux, c'est vieux comme le monde, tarte à cover. Magnifique comme ouverture, ouais. Et sur fou prend F6, donc le gambit dame qui est fou prend F6, il se demande quoi faire avec les noirs. Alors, moi, bon, juste. Oui, alors on va montrer quelques exemples pour les noirs, mais c'est vrai que c'est surtout pour les blancs que la question se pose. Aussi, pour essayer d'avoir un Oui, on avantage. va continuer. Donc, on joue E3 avec D'accord, on joue C6. E3. Montre encore 2-3 coups. Oui, C6, parce qu'il y a une nouvelle idée. C6, il faut D3, c'est ça? Et là, cavalier D7 et petit roque. Et ou CD? Ou CD? Ou Donc, CD. ouais, si on fait CD
Normalement, c'est ED quand même. Ouais. C'est ED, il est à l'attaque du minorité avec B4. On a la structure Carlsbad. Je vous renvoie à Carlsbad. notre série sur les structures avec Yann Gustafsson. On a traité de cette Mais il ne structure. faut pas oublier qu'il y a deux fouilles cavaliers contre Eh oui. deux cavaliers. Et là, un petit peu, le roi blanc est impliqué. Parce que le fou noir pourra aller en D6. Et après, mais il faut arrêter cette attaque. Et ici, il montre. Tu peux continuer. J'ai choisi une partie par correspondance qui est quand même magnifique. Regardez pourquoi il joue H3. Il a encore la stratégie blanche. Il attend le coup du cavalier D7 pour faire cavalier E5 et F4. Regardez la technique. H3, tour 1. Ça, j'ai discuté avec Joël Lethier à l'époque. Ouais. Qu'on peut attendre et faire ça. Et F4. Ouais. Donc, c'est déjà une position à jouer. Elle est très. D'accord, et en fait t'attends qu'il ait plus de coups, donc c'est assez malin, ouais. C'est assez malin. On attend que ce cavalier ait enfin que les noirs aient plus de coups utiles, parce que là ils ont joué un coup, a priori, Moi, on je y a trouve que tous fait c'est un coup très dessus. intéressant. Très, très intéressant. Et on sait plus quoi jouer pour sortir les pièces, et pour Ouais. sortir ces deux pièces, il va Ah, falloir un lui, moment faire bouger encore le fou cavalier. B1. Laurent, encore fou B1, il est le coup utile. Ouais, et De toute encore fou manière, B1. cavalier F8 ou cavalier F6, il y aura. Je sais pas, cavalier F8, c'est peut-être plus intéressant, parce que sur F6, je peux jouer. Sur cavalier E5, il y aura peut-être F6, mais est-ce que Et c'est c'est. le problème d'avoir joué H6, hein. Ça affaiblit Ouais, le problème, c'est les cases toujours noires. H6, mais je pose la question, s'il joue F6 quand même, est-ce que cavalier G6, c'est vraiment. Peut-être c'est désagréable, cavalier G6 ici. En cas de prise, et peut-être dame H5 quelque part. Moi, je préfère les blancs, évidemment. Stop, 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 là, je Faut faire laisse. attention à ça, ouais. Est-ce que c'est F5? Voilà, justement. Cavalier E2 encore. Je ne sais pas. Ouais, c'est Alors, pas cavalier clair. E2, cavalier F4, cavalier D3, ça, il faut bosser. Mais dame H5, ce n'est pas le seul coup. Et en Non. général, même si je recule avec le fou, je ne joue pas Oui. dame H5. Je En fait, ce que préfère tu peux le faire, c'est contrôler. ça. F6, tu peux revenir. Parce que, vous savez, oui, mais même si je joue cavalier G6. Ah, oui, mais je peux prendre G6 et revenir avec le fou après. Parce que. Ouais. Après F5, il y aura toujours le cavalier en D3. Même si je recule, tout simplement. Regardez, j'ai échangé le cavalier. Et avec ce rapport matériel, les blancs doivent échanger le cavalier, normalement. Pour avoir dame cavalier contre dame fou. Maintenant, on peut aller avec le On se cavalier en rapproche. D3. Cavalier E2, peut-être. L'idée, Ouais. c'est cavalier en D3, F4 et cavalier E5. C'est ça, l'idée blanche. Parce que jouer Exact. G5 avec les noirs, c'est quand même. Il faut avoir du courage. Sur G5, dame D3, peut-être. Après, je vais trouver les moyens pour déplacer le cavalier, probablement D3 quand même. Moi, je préfère les blancs dans cette position. Peut-être que ce n'est pas si grave, mais je vois mal comment on va faire vivre le fou. Si je joue cavalier E2 direct, fou B4, par exemple, fou B4, tour F1. Et après, ouais. Après cavalier F4, parce que G5, je ne crois pas un instant, dans quelque part, dame C2 peut-être. Je vais trouver peut-être l'itinéraire pour le cavalier, même en passant par G1. Ça, c'est une position, mais il faut analyser l'autre aussi. Avec la dame en H5, ce n'est pas très clair, je crois. Non, Là-bas, mais ce que tu veux dire, c'est que les noirs ont pas trop de plans ici. Hein. non, non. Non, c'est Il bon. faut ouvrir le roi, le propre roi, et ce n'est pas très clair quand même. Ouais. Donc, tour 1, il a fait cavalier F6. Et là, vous pouvez travailler cette position déjà. En revanche, si vous faites comme Gozoli et une contre Laurent, montre s'il te plaît ta partie. Et il n'a pas joué CD, Il a Yannick. joué Rock. Il a joué Roque. Et là, regardez la nouvelle idée. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ici? Les blancs, normalement, soit ils jouent pour C prendre D5. C'est une idée intéressante. Soit ils jouent pour E4. Mais jouer E4 laisse toujours D prendre C4, fou prend, et E6, E5. Où les noirs attaquent aussi les cases noires. Alors on va jouer un coup. Arthur, je vois que tu proposes Tour B8, le A6. jeu tour B8, tour B8. Tour B8, ok. C'est la dernière Si. idée que j'aime beaucoup. DC, Ok. fou prend, et là, E5. On fait E5. Ok. C'est pas seul coup. Je regarde qu'il y a même B5. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Regardez, il y a B5, et sur fou B3, C5. C'est aussi. Ah, et on a protégé ici. C'est comme l'amiral, je jouais comme ça contre Tal, presque pareil. Je laisse faire E5. C'est ça qu'il faut voir. E5, parce que sur CD, j'avais prise. Ouais. Ça, ça a l'air dangereux. Là, Swan. c'est peut-être mieux pour le blanc quand même. Pas clair, c'est très très compliqué. Ouais, très compliqué. C4, après prise et cavalier B6, je sais pas.
Mais c'est la mais il peut jouer au lieu de C5, E5. Oui, là, cavalier B6, prison E7, prison E7. Mais l'affaire n'est pas close, maintenant on fout B7. C'est pas clair du tout ici. Non, c'est pas clair du tout. Et non, ça Ah, peut même être ça pas mal peut pour être les. risqué pour le blanc, même, parce que lui, il a progressé énormément à l'aile dame, mais il a la case faible D3. Donc ça, c'est à travailler encore. Vous voyez? Bon, là, on a dit déjà pas mal de choses pour pouvoir continuer, d'accord? Oui. Peut-être c'est prendre des 5. Je trouve que c'est jouable. Là, si vous travaillez avec l'ordinateur, vous pouvez montrer votre supériorité. Ça, c'est une position à jouer. J'ai dit avant. Ah, là, montre comment il a joué avec les noirs ici. Ça, c'est très intéressant. Prise, prise. B4, voilà. Regardez la méthode, comment il joue avec les noirs. Peut-être on peut le jouer. Dans... Voilà, ça, on a analysé avec Kasparov. C'est la meilleure moyenne. Jouer fou E6, et dès qu'il joue B5, prendre et avancer le pion. Donc, Comme voilà. ça, hein. Parfois, elle est à fou E6 quand la tour avance vite. On joue C5, mais là, on n'a pas de choix. On est obligé de jouer avec A5. Et après, tour D'accord. à vite, fou E6, ça joue quand même. Dame Je sais D6, pas. après, vous Ouais. voyez, c'est pas clair. Ouais, tu veux, là les noirs peuvent être mieux. Ouais. Et Ouais, effectivement, c'est ça pas peut clair du arriver. tout. Ouais. Avec fou C'est pas E6, clair du tout. elle est à deux joues. Donc, regardez cette idée ici. Là, vous avez les indices pour pouvoir continuer le travail, d'accord? Ouais, c'est Mais pas mal. normalement, ce n'est pas grand-chose. Ça, il faut comprendre. Tour B8. Ok, moi j'avais pris en C4 et normalement il n'y a pas trop de problème hein, pour les noirs Ouais, selon la non, mais théorie. c'est connu. Vous savez, si vous regardez les matchs Kasparov-Karpov, j'ai passé des semaines en analysant cette position. Avec le 5, le DED, le fou F5, vous pouvez trouver leur partie. C'est Geller qui avait trouvé l'idée du A5 que tu joues, Laurent. C'est Yves Geller. Ouais, je me L'entraîneur rappelle que de. je. Ouais. Je connaissais tout jusqu'au bout, en fait, pour être tout à fait Ben, honnête bien dans cette sûr, partie contre Gozzoli, bien sûr. parce qu'elle est connue, cette ligne. Ça a déjà été joué, hein, ce truc-là. Oui, Voilà, c'est Yves c'était Geller. terminé comme ça, et nul contre notre ami Siana, qu'on retrouvera vendredi soir pour un banter blitz. Yannick Gozzoli, le grand raid marseillais, qui était surpris par mon choix d'ouverture. Mais Alors, Yannick connaît parfaitement la théorie, bien sûr. on. Ouais, mais bon, c'est pas facile de trouver une idée contre le gambit dame, Non, évidemment. cette variante donne rien. Ok, ça suffit. Passons à la question suivante. Alors attends, il y a une question quand même dans le chat de Sylvain. Il dit que c'est possible de jouer avec Grand Roque avec les Blancs. Qu'est-ce que t'en penses de ces plans avec Grand Roque? C'est vrai qu'il y a des Dames C2 et Grand Roque. Mais c'est ça, c'est le match. Étienne, elle m'a joué, je crois, Dame des Dos. On a Ah, fait Dame des deux, je me analyse. rappelle. Étienne, elle a joué avec Dame des Dos et nul rapide. J'ai oublié où on a fait ça. C'est lui qui peut dire, parce que pour moi, c'est pas évident. Donc ça, tu penses que c'est Après tous les pas. championnats. Non, mais je pense que j'ai percé aussi. L'idée principale ici, c'est toujours C5, bien sûr. Et sur DC, DC. Sur DC, DC, et on liquide tout, on va récupérer ce pion tranquillement. Après, on récupère le pion et ça va aller. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais. Pourquoi? Bah je DC, sais pas. DC, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a prise en C3 plus tard. Si tu prends D8, Ça, ça. il y a prise en C3 après. Oui, mais je peux récupérer comme ça ou pas. Attendez, ça c'est tour D1 peut-être. Mais Ouais. même ça, admettons, c'est pas la meilleure variante. Mais, Ouais, tu peux même faire ça a l'air d'aller. ça. Oui, tu peux faire ça. Il faut jouer C6, il n'y a pas de choix. Mais normalement, c'est insuffisant pour être. Normalement, c'est insuffisant, Ouais. effectivement. On Cavalier fait comme B6 ça. maintenant, C5, et ça devrait aller. On va sortir. Donc, en général, ça marche pas, hein, ces variantes avec Et Dame C2. Dame C2, écoutez, je jouais avec les blancs. Vous pouvez trouver dans la database mes parties contre Tamás Gheorghadze, le grand maître géorgien, qui j'ai battu avec Dame C2. C'était à Lvov, dans ma ville en Ukraine. Je l'ai maté avec G4, H4, G5, etc. Et parce que c'est vrai que les Noirs ont quand même commis. Ils ont donné une cible, en tout cas. Bien sûr, on En appelle en russe un crochet. Il y a un crochet crochet, déjà d'accord. là-bas. Et G4, H4. Et Thomas, il m'a fait G4, H4, G6, G5, prise, prise et fou, G7. Et j'ai fait grand roque, cavalier E5, F4, dame G2. Il n'a pas survécu. Dans la database, cette partie existe. Je peux D'accord. la préparer même pour la prochaine fois. Peut-être, ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc sur Dame C2, peut-être alors J'ai joué C5 tout de cette suite. position contre Archak Petrosyan. Vous connaissez, c'est le beau-père du Lieko. Ouais. Et Archak, c'est un des meilleurs connaisseurs de cette ouverture, avec Vaganian, Potian et évidemment Tigran Petrosyan. D'où vient cette école arménienne? Du Tigran Petrosyan. Il m'a fait C5, DC et cavalier A6. D'accord. Et je pense que j'ai fait quelque chose comme grand roque. Il m'a fait, si ma mémoire est bonne, cavalier B4, dame B3, fou prendre C3, obligé de prendre du pion et cavalier A6 à nouveau. Et j'étais Waouh. content quand je fais nul dans cette partie avec les blancs.
C'est rare, je l'ai battu à chaque fois, mais donc pas dans cette partie. D'accord. Ça n'a pas été C'est vrai que marrant ça a du l'air. tout. Non, là, je comprends que c'est pas très marrant. Le Non, ça cavalier va qui est arrivé en E4 après, j'avais dû. ouais, quand il prend. Non, mais j'ai sauvé par miracle. Mais bon, je ne peux pas jouer comme ça avec les blancs. D'accord. Écoutez, là, c'est classé. C'est exactement. Vous posez les questions dans les variantes qui sont déjà classées. N'existe pas. Cette théorie, elle est finie il y a déjà 15 ou 20 ans. On a trouvé les recettes absolument claires qui montrent que les noirs sont bien. Juste, il faut travailler avec la database, surtout, je répète encore, les parties par correspondance. Vous composez cette position jusqu'à Dame C2 et Dame D2. 10 minutes du travail, vous choisissez les exemples parmi les dernières, les meilleurs classements. Mettez le filtre, je peux vous dire ici, 2004, 12 adversaires. Par correspondance, c'est déjà les très forts grands maîtres, 2004. 12 joueurs 2004, 5 minutes, et je vais vous donner les réponses. Vous voyez, c'est trop facile quand même. D'accord. Alors, maintenant, question de notre community manager dans Stayflow. Est-ce que ça te convient la réponse? Je pense que oui. Merci Yossif. Voilà, il dit. Ok. Donc, alors, maintenant, c'est à. C'est, je crois que c'est la question du community manager qui a envoyé sa question quand même assez tôt. Donc, c'est sur ça. Ah, je ne D4. joue pas comme ça avec les blancs. La question est bonne. Tu peux montrer les premiers coups, justement. Alors, Donc, D4, G6. G6, il dit C4, fou G7. Et là, Je il me dit sur souviens la KC3. partie. Ouais. Ouais, ça existe. Est-ce qu'on Étienne, peut jouer? tu dois souvenir ça. Tu te souviens, on est les stars. Étienne, il était la victime contre Jonathan Spielman, je crois. Avec cavalier C3, C5, D5, prise en Ah C3 ouais. et F5. Étienne, elle a connu le premier coup, mais. C'est quand même E4 qu'elle a fait, Étienne, si je me souviens bien. Ouais, mais ça, c'est jouable. Après, ouais, on joue le Gambit. Mais ok, l'autre, elle était hyper bien préparée aussi. Et bon, je ne peux pas maintenant juger cette partie, je n'ai pas préparé la réponse. Mais écoutez, les blancs ne jouent plus comme ça. La variante principale, c'est E4 à la place du cavalier Ouais, C3. c'est ce que j'ai dit à Joachim, ouais. Et là, il faut jouer. Ça me Ok, fait peur. D6. D6 et cavalier C3. J'avais Et fait ça, là, moi, contre Brunner. je vais dire. Ah, vas-y, alors D6, KC3. Ouais. Et là, je vais dire que si le noir joue cavalier F6, pourquoi cette subtilité? On peut jouer Ah, bien l'Est sûr. indien sans faire G6 et C'était D6. d'ailleurs sa question, hein. Alors, c'est sa Non, question, mais bien c'est. sûr, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le noir joue E5 ici. C'est ça le problème. E5, c'est ça le vrai problème. Et maintenant, il faut jouer. Et là, écoutez, comment. Et encore, on peut rajouter à cette réponse comment Leyla et Alpha Zero développent la théorie moderne. Par exemple, moi, j'ai jamais considéré ici le coup D4-D5 comme intéressant. Pourquoi? Je vais vous dire. Et c'est la réponse à une autre question que j'ai vue sur le site. Il y a un des spectateurs qui m'a posé la question pourquoi je ne considère pas l'espace comme un avantage. Ça, il faut quand même écouter et lire attentivement tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit. Je ne dis pas que c'est pas un avantage. Je dis que c'est pas une catégorie indépendante. Pourquoi? L'avantage d'espace peut apporter, à mon avis, les fruits uniquement. Si à cause de l'avantage, le roi adverse devient fragile, mais ça c'est le premier élément, le roi mauvais, inférieur, et d'où s'il y a les pièces mauvaises. Là, le fou G7, il est inférieur par rapport au fou C1, parce que les pions sont fixés, les pions bloqués sont sur les cases noires, pas n'importe quel pion, mais le pion de 5 et de 6. S'il y a au moins une paire de pions bloqués, vous regardez la couleur. Si le pion est bloqué sur la case noire, le fou G7, par conséquent, est inférieur. Si sur la case blanche, c'est le fou C8. Et donc, mais là, les noirs peuvent jouer fou H6, attention quand même. Ou tout de suite, mais dans cette partie que j'ai choisie, c'est A5 d'abord, fou D3 et cavalier A6. Il retarde fou H6, et je peux vous dire pourquoi. Pourquoi les noirs ne jouent pas immédiatement fou H6? C'est une question intéressante. Là ou plus tard, pourquoi pas fou H6 immédiatement? Je vais vous donner ma vision du problème. Après fou H6, je vais prendre H6. Cavalier prend H6. Et là, si je laisse les noirs faire un puniment F5, roque, etc., ce sera l'Est indienne où il n'y a pas de fou du case noir. Mais je joue ici H4, je crois. Et maintenant,
Attends, on va le montrer comme ça, ouais, dans celle-là. Non. Ouais, non, Non, ouais, H4, c'est bien, on va montrer ça, c'est un ouais. exemple. Donc là, je peux jouer H4. Et à ma connaissance, le problème, c'est que je menace pas H5 direct, parce qu'il y aura G5. Mais je menace Dame D2, Cavalier bouge et H5. Et sur G5, H6. C'est très souvent cette idée. Et après H5, vous voyez? Et sur G5, H6. Et là, il faut voir la tactique. Est-ce que Dame F6 va prendre le pion? Ça, il faut quand même regarder cas par cas, vous voyez? Est-ce qu'ici, il y a... Non, mais là, il faut travailler avec la machine. Est-ce qu'il y a rapidement quelque chose en esprit du... Ça. Quelque part du B4, C5, etc. Ici, ça doit être... Mais attendez, je peux attaquer le pion G5, ici. Avec F3, Je peux même... G4, ou alors tour H5, peut-être. Même si je reviens à la maison, vous voyez? Et même ça, c'est encore pire, ouais. Et sur G4, cavalier passe en E2, G3 et avantage blanc, déjà. Oui, gros avantage Merci blanc. pour moi. Donc, vous voyez, c'est cette idée. Donc, on a créé la faiblesse du roi noir et les cases faibles aussi. Et maintenant, si nous parlons du fou de case blanche, il y a quand même un moyen technique à jouer fou D3, fou C2, A3 et fou A4. Très souvent pour échanger les fous. Qu'il réalise, dans les parties que j'ai choisies, les blancs, ils ont joué plusieurs fois cette idée. Tu peux montrer une partie, par exemple ça. Oui, exemplaire. Donc on empêche de roquer là. J'ai voulu la partie avec cavalier G2, honnêtement. Ah Tu peux revenir un petit peu pardon. en Quai arrière. G2, Voilà, ouais, Quai cavalier G2, G2. voilà cette partie. Ah, fou C2 maintenant pour Voilà. échanger les fous de case blanche. Ouais, donc là, c'est x4. Vous voyez, encore une fois, la même thèse. On joue soit pour une structure, soit pour un échange. Là, évidemment, chacun joue pour un échange. Et là, il oblige les noirs à jouer F5. Écoutez, pourquoi? Si les noirs ne jouent pas F5, je joue B4 au coup suivant. À cause du courage, on ne peut pas manger deux fois. Le cavalier couche en A6 et je prends un net avantage à l'aile dame. Vous voyez? Et encore ici, H3 avec les DG3. Là, c'est pas marrant quand même. Laisser la dame ici. Même H3, peut-être avec G3 plus tard. Ouais. Donc c'est quand même un peu chaud. Et c'est la raison pourquoi elle joue immédiatement fou H6, c'est le jeu. Non, F5, F5. Et regardez, maintenant, c'est son roi qui devient fragile. Évidemment, prise, prise et cavalier G3. Obligé et dame H5 échec. Et là, les noirs souffrent. Mais c'est toujours par correspondance, finalement, c'est Léo qui joue du deux côtés et la réussite sauvée. Mais quand vous mettez ça sur Léo avec 16 gigas vidéo carte, ce sera 0,45 pour le blanc environ. Donc D'accord. c'est pas égal ici. Encore une fois, peut-être l'ordinateur est capable de De sauver tenir, mais cette bon, position, oui, mais peu importe. c'est pas pour les humains quand même. C'est très désagréable. D'accord. Ok. Donc Ah, et sur encore, encore. E5. Ah oui, Et pardon, vas-y. attends, encore une observation. Tu peux revenir. Voilà, attends. Si on ne joue pas D5, encore un problème. Reviens, et joue cavalier F3. Oui, c'est le coup que j'ai joué moi-même souvent. Maintenant, fou G4 n'est pas bon, parce que cette fois, je peux jouer D5, et il faudra donner le fou en F3, et c'est l'autre histoire. C'est pourquoi il faut jouer ED, cavalier prend D4. Et ici, il y a une subtilité. J'ai travaillé cette position avec Étienne, quand il était gamin encore. Je me souviens très bien de la partie en National, quand Joël Lethier avait écrasé Jean-Marc Degrave, je crois. Où il était, il a gagné, je crois, Joël, mais il a montré une très belle préparation, comme d'habitude. Quelle était l'idée du Joël? Cavalier C6 ici, fou E3, cavalier GE7, et là, très importante, à jouer H4. Pourquoi? Le problème, que si le blanc joue, au lieu d'H4, fou E2, si on joue fou E2, les noirs roquent, et sur petit roque, il y a F5. Et c'est un piège parce que sur F, fou prend D4. Fou prend D4 et cavalier prend F5. On piège le fou, on plante son trait d'échiquier. Ouais. Et il n'y a rien ici. Cette position est fou E3, c'est normal pour les noirs. Ah, peut-être même plus, non? Oui, c'est la partie Tal Lerner, devant mes yeux, je crois, à Lvov. Il y a 36 ans, à peu près 37 ans. Bon, bref, ça va complètement pour les Ouais, noirs, c'est fou E6, évident. dame G5, ça va aller, c'est normal. Même si Ouais. l'ordinateur pense que les blancs ne sont pas si mal, évidemment que je prends le noir ici. Ouais. Ouais, et donc, pourquoi on joue H4? Parce que s'il fait H5, après, il y aura fou G5 partout, sur F5 plus tard. Et normalement, Jean-Marc, il a joué, je crois, petit roque, il a pris H5. Non, il n'a pas roqué, désolé. Il a fait, je crois, si mon mémoire est bon, il a fait F5, H5, tour F8. H5,
Sur F4, cavalier Ah oui. C6. Sur Il a fait F4 tour je... F8 qui mène à F4. Alors sur Et F4, il y là, a qu'il prend C6, ouais, ça va pas. il faut prendre F4. Et sur tour F8, HG, F4 paire, j'ai analysé, et tour H7. Et là, sur tour F7, tour prend G7. Ça, c'est mon analyse avec Étienne à l'époque. Ici, normalement, il n'y a pas de défense. Cette position, elle est terrible pour les noirs. Je peux prendre C6, ou fou G5, fou G5, ici, je crois. Fou G5, dame D7, etc. Et là, c'est un Ouais, ok. peu ça. Là, ça ne va pas. Et donc, regardez les subtilités, comment elle joue aujourd'hui. Tout ça, c'est aussi l'ordinateur. Il commence au lieu de cavalier C6. L'ordinateur revient, s'il te plaît. Au lieu de cavalier C6, les noirs jouent aujourd'hui cavalier E7. D'accord. Et maintenant, ouais. Si on joue fou E2, ça sera une erreur. Parce qu'après cavalier C6, fou E3, on n'a pas joué H4. Vous comprenez? N'a pas joué H4, ouais. Ça revient Exact. au même. Et donc, il ne faut pas jouer fou E2. Et qu'est-ce qu'ils ont joué? On va regarder les dernières parties par correspondance. Ils jouent fou E3 ou H4. Donc, il y a les parties avec. Donc, fou E3, comment les noirs jouent ici? On va trouver la position. Voilà. Et là, il faut jouer H4. Voilà. C'est ça que je donne comme analyse. Et F5, H5 et F1. Ça, c'est nouveau. J'ai joué, c'était un tournoi du Blitz en mémoire du Nenad Chulava, Ouais. à Monaco, quand j'ai fait les commentaires du championnat d'Europe Blitz et Rapid féminin. Et j'ai joué sur Blitz. Et un joueur, il m'a fait FE ici. Malheureusement, désolé, s'il nous regarde, je ne sais même pas son nom. Je n'ai jamais joué avant. FFE, j'ai perdu cette partie, mais je pense que j'étais assez. Ah, c'est un russe, je crois. C'est un russe. Je ne crois pas qu'il nous regarde maintenant. Ouais, c'était un russe qui est pas mal quand même, 2004, je crois. Et non, mais vous pouvez imaginer, en blitz pour jouer cette position, son pion, c'est pas banal. Mais lui, il a montré. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il Il a a fait fait. ça. Il a joué position. Ouais. Et là, il y a cavalier F5, peut-être, non? Ah, dame D7, il a joué. Dame D7, c'est la partie par correspondance, apparemment. Ouais, mais Tu as inclus. regardez, vous pouvez imaginer. Ah, cavalier F5, fou G5, justement. Il a fait ça. Ah, Ouais, ok, c'est F5, une fou G5. partie capitale. Ouais. Voilà, c'est fou G5. Dame D7. Ok, bon, pour sortir les pièces, hein, tout simplement, je suppose. Ok, G5. Et KF5, KF prend, dame prend, fou D3, dame F6, mais ça a l'air très mauvais pour les noirs, hein. Ça a l'air tellement dangereux. C'est la partie. Ouais, non, mais là, vous voyez le développement, c'est toujours l'EVA, vous comprenez? Ça, c'est l'ordinateur qui joue. C'est la partie, il y a combien? Il y a 12 ans, peut-être, 2018. C'est déjà l'ordinateur qui joue. Mais bon, si vous voulez la question, comment on développe cette variante, c'est là. C'est là le D'accord. développement, ou D4, D5, qui on a vu tout à l'heure, avec prise en F5 et cavalier H5, cette variante. C'était la deuxième variante qui on a vu tout à l'heure, Alors, vas-y. avec dame H4, etc. Ah, d'accord. Comme ça, là. Tout à l'heure, voilà, c'est ça. A3, F5, prise cavalier G3. Ouais. C'est ça qu'on a D'accord, vu. donc deux façons de jouer. C'est pas complètement Oui, impossible de jouer. donc vous avez deux possibilités. Et sur KC3, tu conseilles C5, du coup. Je pense que oui. D'accord, Parce que le D5. problème ici, après C5, qu'on est obligé de jouer cavalier. On ne peut pas jouer cavalier F3. Parce que CD, cavalier prend et cavalier C6, comme Fischer. Ouais. Cavalier C2, il faut prendre C3 toujours. Sans hésiter, Joachim. Et D6, F3, dame A5, c'est bien pour les noirs. Et D6, F3. Ouais, Dame Je A5. donne dans le livre ma partie contre Thorstens, à New York, Ouais, bah là. 90. Et alors, du coup, si je fais KF3 là, comment Cavalier t'évites les H3. Astaniens? En fait, on peut pas éviter les Astaniens. C'est Non, ça il peut qui. jouer l'Estindian maintenant, bien sûr. Ah, bah, il est obligé. Mais au moins, il a forcé le cavalier en F3, c'est ça? Écoutez, j'ai joué cavalier F3 contre Oleg Romanichin à Turin. Et je n'ai pas voulu entrer dans les variantes sauvages qu'il adore. Et lui, il a mal joué. Il a fait D6, cavalier C3, fou G4. Non, il a essayé le mieux possible. Il n'a pas voulu l'Estindian, donc il a joué comme ça. J'ai fait E3. Ouais. Il a fait C5 et il a perdu une miniature. Il a perdu en 17 coups cette partie. Je fais D5 et. Ouais. Et D'accord. là c'est pas pareil. S'il prend C3, le fou en G4. Il faudra donner le deuxième fou après. Vous voyez, après F5. Sinon, c'est quand même chaud.
Ok, moi j'ai pensé que c'est mieux pour les blancs, c'est aussi, c'est pas évident peut-être, mais je préfère les blancs ici. Même cette D'accord. position, elle est peut-être jouable. D'accord. Il y a les... Alors vas-y, on va prendre. Je pense que Joachim est La dernière satisfait. question peut-être. La dernière question rapidement. Alors peut-être une question plus. Alors où est-ce qu'on en était là? De. Ça, c'était la Scandinave. Ça, on a fait déjà. Et ça, c'est quoi? Voilà, Ça, ça c'est c'est parfait. sur la Rossolimo, d'accord, Écoutez, pour ça c'est expliquer la rapidement. dernière question que j'ai récupérée sur le site. D'accord. Je t'ai renvoyé, tu t'en souviens, le deuxième. Oui, c'était de Go 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 22, je crois, la question. Ah, mais c'était une autre question aussi. On n'a pas vu G6 ici. Il y a... Mais ça sera peut-être pour dimanche. Mais je vais Ouais, je pense que cette ça sera pour la question. prochaine Et fois G6, plutôt. ça sera le dimanche, parce que je travaille la deuxième aussi. Donc D6. Ouais. Et là, si on ne fait rien, il y aura quoi? Il y aura fou D7 et A6. Et donc. Non, ok, il y a plusieurs variantes, mais il m'a posé la question concrète. Comment jouer après fou prend, puis on prend E5? Ça, c'était la question. D'accord. Et là, je vois qu'est-ce qui se passe ici. C'est toujours la même chanson. Deux fous et cavaliers contre fou et deux cavaliers. Et donc, si les noirs font rien, on a du mal à se développer. Et pour ne pas céder les cases noires. Parce que si on joue D6, D5, avant d'avoir joué fou G4, il pourra faire même H3 peut-être. Ok, je vois. H3, D3, B3, cavalier en A4, et essayer d'attaquer le pion C5. C'est ça le problème. C'est comme Nimzowitsch inversé. Et là, je vois deux possibilités pour les noirs, au lieu de D6, D5. Un coup en arrière. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Là, le premier coup, c'est F6, qui provoque la crise au centre. Je dois prendre D6 et maintenant E5. Ça, c'est typiquement pour Gelfand, il adore ça. Et après, fou prend D6. Et je donne quelques variantes. D3, je crois, je donne, oui. Fou prend D6. Et ici, cavalier FD2. Il faut encore vérifier, peut-être, est-ce qu'à la place de fou prend D6, fou G4 était jouable. Juste en arrière, ouais, fou G4. Ouais. Il n'y a pas de D7 ici par hasard? Quelle est l'idée? Si fou prend, cavalier, allez, cavalier prend un 5 ici. Oui, si fou prend, cavalier FD2, il n'y a plus de couloir. Et cavalier passe en C4. Et l'autre cavalier D2, B3, fou A3 pour attaquer. Et s'il prend de la dame en D7, il y a cavalier prend un 5, je crois. Non, il faut que tu joues H3 d'abord. Hein. Ok, Pourquoi? prends E5, je Ah! prends, c'est protégé. Donc Ah H3 non, d'abord, désolé, désolé. peut-être. Non, non, ça ne marche pas. Ah, donc H3 d'abord H3. et D7, et D7. Et oui, et ça Et marche. là, ça Exact. marche. Ouais, et là, ça marche. Il faut vérifier, fou prend D1 quand même. Il faut vérifier, exact. Prise en D7, prise en F8. Il doit prendre et cette position. Et là, bon, peut-être on est un peu mieux même après fou E3. Même Je ne peut-être sais pas. Et même approcher. roi D2, bien sûr. Et roi E2 et fou E3. Moi, je Et préfère roi les blancs E2. ici, bien sûr. Aussi, je Même suis d'accord. fou E3, Laurent, c'est aussi légèrement peut-être mieux. C'est Ouais. minimum, oui. Oui, après tu récupères, cavalier bouge, grand roque, et c'est un peu mieux pour le blanc aussi. Ouais, d'accord. Ouais, Donc donc ça va pas pour les noirs, ça c'est d'après toi. F6, je donne l'analyse, et la deuxième variante c'est fou G4, regardez, c'est beaucoup plus intéressant. C'est fou G4, là j'ai analysé H3, il faut bouger. C'est H3 j'ai analysé, n'est-ce pas? Oui. Ouais, prise, prise, et il joue D5. Et maintenant il faut jouer E6, parce que s'il joue E6 lui-même, on n'a rien. Ouais. Et après E6, je donne l'analyse. Prise, prise, et là j'ai comment? B3 par correspondance, c'est ça? V3, ouais. B3, et là je donne deux variantes. Et tu peux Donc il y a montrer. du jeu, on joue contre le développement, clairement, le développement des fous de case noire. Donc si E5. C'est la variante. Peut-être, ouais. On n'a pas obligé de jouer D3, même. On peut laisser faire E4. Tu peux montrer cette variante où il joue avec E4. Oui, là j'ai un petit peu Et il avancé. faut Avec faire l'ordinateur, D3. E3, oui. Il doit manger, dame prend E6. Ouais. Là, prise en E6. Dame E7, mange, mange, et puis on prend. Et là, les noirs doivent encore montrer comment égaliser. Ouais, parce qu'il y a ce pion. Cavalier A4 qui arrive. Ouais. Ici, cavalier D7. Après cavalier A4, il faut donner le pion G7. Vous voyez, sinon, tour C1, il faut A3. Donc là. Les Noirs doivent encore très bien travailler pour arracher mieux. Mais tu penses que c'est possible quand même. Donc c'est ce que tu conseillerais à notre. Non, mais je voulais dire que les Noirs ne jouent pas comme ça, c'est tout.
Ah oui, d'accord. Comment les noirs doivent jouer, je vais montrer la prochaine fois. D'accord, on J'ai va. préparé la réponse, mais on ne peut pas le faire maintenant. C'était d'ailleurs, est-ce que c'est lui-même qui avait posé la question sur Fou B5 G6? Tu peux demander, est-ce que c'est lui qui avait demandé Je C3 sais pas, NDA? il est pas là, je pense, mais je Ah, il n'est regarderai, pas je là? regarderai, je préparerai les questions pour Ok. dimanche prochain. Oui, En donc tout ça sera cas, dimanche prochain. merci beaucoup, Youssif. Merci à Merci tous à de tout nous le avoir monde. suivis. Laurent, est-ce que tu peux connaître quand même le nombre de spectateurs ou pas? Ouais, non, mais attends, après, c'est pas fini, Youssif. On va voir après. On est toujours en direct, là, Youssif, hein. Ah, d'accord. Ah, Non, mais je d'accord, donc comprends 2 minutes. qu'on est en direct, mais tu peux répondre quand même. Ah, ça dépend, je sais pas, sur toutes Ah, tu les ne connais pas. chaînes, je sais pas, c'est compliqué, je sais après. Merci. Tu peux peut-être juste demander les gens avant que je vous quitte, est-ce qu'il faut améliorer quelque chose, juste leur proposition peut-être. D'accord, mais je pense que c'est. J'ai Les gens essayé sont assez d'aller plus contents. doucement que d'habitude aujourd'hui. Ouais, mais il faut qu'ils posent des questions de toute façon. Mais là, le problème, c'est que le chat de Chess24 marchait pas. Ah, d'accord. Voilà, donc c'était Trop un de peu le monde, problème. peut-être, oui, beaucoup. Trop de monde. En tout cas, merci beaucoup, Yossif. On se Merci à tout rejoint le monde. dimanche Au revoir, tout. prochain. Il y a d'autres shows aujourd'hui. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Ok, à Et dimanche. merci beaucoup. Au revoir. À dimanche. À dimanche.